Il y a un lieu commun à propos de Pokémon que vous avez peut-être déjà croisé et qui dit que votre génération préférée est forcément celle avec laquelle vous avez découvert la série quand vous aviez une petite dizaine d'années. Ce lieu commun m'agace, parce qu'il réduit l'appréciation de cette série à un bête facteur nostalgique, en faisant fi de toutes les qualités objectives que peuvent présenter ou non les différentes générations de Pokémon. Dans cette série d'analyses que je vous propose de continuer aujourd'hui, j'essaye au contraire de prendre Pokémon au sérieux, comme une série de JRPG qui évolue par tâtonnement, qui construit sur ses bases, qui bien souvent a été à la pointe de la technique de son époque, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, et qui a des choses à raconter. Dans ce cadre, même si j'ai découvert la série avec les deux premières générations en simultané et que j'y suis très fortement attaché, je suis tout à fait capable de reconnaître qu'elles ont largement été dépassées par certains de leurs successeurs, qui n'ont pourtant pas bénéficié du même engouement à leur sortie. C'est le cas de la quatrième génération dont on va discuter dans cet épisode. À la sortie de Pokémon Diamant et Perle en 2007 en Europe, le phénomène qualifié de Pokémania qui avait saisi l'Occident au début des années 2000 et qui avait fait de cette franchise l'empire commercial qu'on connaît aujourd'hui, était bel et bien terminé. Une bonne partie des fans de la première heure, qui avaient entre 5 et 10 ans en 2000, étaient maintenant au lycée et soit étaient passés à autre chose dans leur vie que le jeu vidéo, soit subissaient une certaine pression sociale pour abandonner ce qui était perçu comme une série pour gamins. Ainsi, bien que le support de ces jeux, la Nintendo DS, ait été largement plus vendu que la Game Boy Advance, ce n'est pas le cas de Diamant et Perle, qui tout en restant évidemment d'énormes succès commerciaux, puisque Pokémon, ont à peine mieux marché que Ruby et Saphir, c'est-à-dire deux fois moins que Rouge et Bleu à leur époque. Il faut donc garder en tête que la quatrième génération avait pour objectif de convaincre deux publics, celui des clients venus des générations précédentes, et celui qui découvrait la série et peut-être même le jeu vidéo en général à travers ces jeux-là. Et on va reparler de ce point plus tard dans la vidéo. Pour le moment, on va se contenter de remarquer que si le bilan commercial et même l'accueil critique par la presse ont été mitigés selon les standards de Pokémon, la quatrième génération a acquis au fil des années une excellente réputation, et en particulier, le jeu sur lequel on va se concentrer dans cet épisode, Pokémon version platine, est un des plus souvent représentés au sommet des tops et des tier lists de la série. Pokémon Platine est la version complémentaire de Diamant et Perle, sortie en 2009 chez nous sur Nintendo DS, développée comme d'habitude par Game Freak. Elle s'inscrit dans la continuité de Crystal et Emerald en tant que version complémentaire de la quatrième génération, une pratique commerciale franchement douteuse, mais dont l'intérêt artistique devrait devenir clair au cours de cet épisode. Les ajouts et améliorations apportés par Platine sont encore plus nombreux que dans les générations précédentes et font vraiment passer Diamant et Perle pour des accès anticipés, vendus plein prix, d'un jeu complet sorti deux ans plus tard. Rapidement, ces changements et améliorations incluent une extension du Pokédex régional de 150 à 210 créatures, l'ajout d'une zone de combat comme dans Emerald, l'ajout d'un discret fil narratif tournant autour d'un agent des forces de police internationales et d'un nouvel admin de la Team Galaxy, une révision du moteur de jeu qui rend notamment les affrontements beaucoup plus fluides, un certain nombre de modifications et de dialogues supplémentaires pour approfondir le scénario et en particulier les personnages de Helio et Cynthia, l'inclusion d'un donjon exclusif et visuellement plutôt stylé au moment du climax scénaristique, et un certain nombre de modifications bienvenues de l'équilibrage des combats, notamment des boss. Si vous voulez une analyse détaillée de toutes ces différences, je laisse dans la description le lien d'une vidéo de Gearum Red, qui revient dessus en profondeur, mais je ne vais pas m'apesantir dessus ici. Toutes ces différences sont largement considérées comme bienvenues, et ont pour conséquence de rendre Diamant et Perle absolument obsolètes. C'est donc bien uniquement de platine qu'il va être question ici, et plus encore que d'habitude, je vous encourage, avant de signaler en commentaire une erreur de ma part, à vérifier que ce dont il est question n'est pas une différence entre platine et les versions de base. J'ai cessé de compter dans la vidéo sur Crystal les commentaires me disant que j'avais oublié Watt comme Pokémon électrique de début de jeu, alors que je mentionne pourtant plus loin qu'il est exclusif à Or et Argent, complètement absent de cette version complémentaire, si stupide que paraisse cette décision. Ah ouais, le tiers des commentaires c'est hey, y'a Watt. Non, y'a pas Watt. Comme pour les générations précédentes, Diamant et Perle ont connu récemment des remakes sur Switch, Pokémon Diamant Brillant et Perle Étincelante. Et cette fois-ci, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère tordue. Autant il y avait de bonnes raisons de préférer les remakes de Ruby et Saphir à Emerald, et vice-versa, autant Cœur d'Or et Âme Argent sont considérés comme largement supérieurs aux versions originales, autant Diamant Brillant et Perle Étincelante sont une farce et ne méritent déjà pas les 12 lignes que je leur consacre dans ce script. Ils sont visuellement indignes de la console sur laquelle ils figurent, plus buggés que les premiers jeux sur Game Boy, leur courbe de difficulté est complètement brisée par l'inclusion du multi-expérience obligatoire, et ils se permettent en bonus de superbement ignorer toutes les améliorations apportées par Platine pour à la place rester fidèles aux versions de base objectivement inférieures. C'est le point le plus bas atteint par la série Pokémon en termes de qualité de production et d'intégrité artistique ces dernières années, et les ventes astronomiques quand même réalisées par ce Poké-foutage de gueule me font perdre foi en l'humanité. Si vous voulez découvrir la quatrième génération, Platine est strictement meilleure sur quasiment tous les plans, et se permet même de coûter moins cher. La version cartouche est compatible avec une DS ou une 3DS, et vous avez toujours la possibilité de l'émuler.
ce que j'ai fait pour ces captures, ne serait-ce que pour profiter de la fonction turbo de l'émulateur, particulièrement bienvenue au vu de la lenteur générale de la 4ème génération sur laquelle on reviendra. Diamant, Perle et Platine constituent la 4ème itération d'une formule qui en 2007 était désormais bien établie, et on peut tout de suite casser le suspense. Cette 4ème génération ne fait aucun effort pour briser le moule et redéfinir ce qu'est Pokémon. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu cet accueil critique un peu tiède. L'intérêt du jeu va donc être à chercher dans les détails, dans la quantité et la qualité du contenu, dans la finesse de l'équilibrage, et dans la profondeur thématique et narrative de la nouvelle région. C'est donc de tout ça qu'on va parler dans cet épisode pour distinguer les qualités de Platine, qui lui ont valu autant d'estime, mais aussi ses imperfections, puisqu'aucune version de Pokémon n'est parfaite, et qu'il est toujours intéressant d'identifier ce que ces jeux peuvent faire mieux. Vous êtes dans Esquive la boule de feu, lancez le chocolat chaud et installez-vous bien, aujourd'hui on parle de Pokémon version Platine. L'âme d'une nouvelle génération de Pokémon lui est apportée par la région dans laquelle elle se déroule. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit de la région de Sinnoh, et dans cette première partie, on va se pencher sur les ambitions artistiques de Platine, en examinant les inspirations, les thématiques, le scénario, l'ambiance musicale et les nouveaux Pokémon apportés par cette nouvelle région. Comme pour les générations précédentes, Sinnoh est inspiré d'une région réelle du Japon. Après le Kanto, le Kansai et l'île de Kyushu, il s'agit ici de l'île septentrionale de Hokkaido. Les principales caractéristiques de Hokkaido qui sont reprises sont son climat nordique et sa topographie montagneuse. Sinnoh est une région plus froide que celle des jeux précédents, et cela se traduit de plusieurs manières. Déjà par la présence de neige autour de notre village de départ, sur les sommets montagneux et surtout sur toute la pointe nord de la région, constituée de routes enneigées menant à la ville de Frima Peak. Ensuite par les vêtements de notre protagoniste qui ont été redesignés par rapport à Diamant et Perle pour paraître plus adaptés à un climat nordique, avec veste et écharpe. C'est d'ailleurs pour coller à cette volonté d'habiller chaudement les personnages que j'ai sélectionné le protagoniste masculin, parce que même si le protagoniste féminin nommé Aurore par défaut porte un bonnet, une écharpe et une épaisse veste, elle a aussi les jambes à l'air et ça ne me paraît pas très adapté pour les s'enfoncer jusqu'au cou dans la neige. Ensuite, ce climat se traduit par des effets météo qu'on aura à subir à Sinnoh, sur certaines routes et dans les combats. Là où Hoenn avait des orages, une tempête de sable, des pluies de cendres et sous l'influence de Groudon un soleil de plomb, Sinnoh a des averses, de la brume et même du blizzard au nord, qui traduisent bien le caractère froid de ses environnements. Et puis enfin, plus subtil, il y a la luminosité et le contraste des couleurs. Hoenn était faite de vert, jaune, bleu et rouge pétant, mais Sinnoh est plus terne et plus pâle dans le bleu de son eau, le jaune de son sable, le vert de son herbe. C'est particulièrement visible sur les quelques plages que comporte la région, qui loin d'avoir l'air tropicale, sont peu lumineuses même en pleine journée et couvertes de rochers, et nous évoquent donc plus à nous français les plages du bord de la Manche que celles de la Côte d'Azur. En fait, il n'y a pas d'endroit chaud à Sinnoh. Ce qui pourrait le plus en donner l'impression est la partie marécageuse au sud de la région, mais un PNJ nous précise bien que le Grand Marais de Verchamp, loin d'être étouffant, reste, je cite, « frais toute l'année ». L'île au nord-est qui abrite la zone de combat, en revanche, a été redesignée dans Platine pour avoir vraiment l'air tropical, dans la nature de sa végétation et justement ses couleurs vives. Probablement dans le but d'apporter un peu de variété visuelle durant le post-game, parce que l'inspiration réelle de cette partie de la carte, l'île russe de Sakhaline, n'est pas plus tempérée que Hokkaido. Le caractère montagneux de Sinnoh, quant à lui, se traduit déjà par l'omniprésence dans la structure de l'aventure et dans les discussions du Mont Couronné, qui divise la région en deux verticalement et qui est inspiré de la chaîne de montagnes Ezo de Hokkaido. L'intérieur et les pentes de ce mont constituent un des donjons les plus vastes de la série Pokémon, les villes et routes qui bordent le Mont Couronné ont toutes des éléments de relief rocailleux intégrés à leur level design, et en particulier, Charbourg constitue la version fictive de la ville minière de Yubari, l'équivalent de notre Saint-Étienne avec son histoire tournant autour du charbon et son musée de la mine. Mais ça ne s'arrête pas là. Une des occupations secondaires principales de Platine se déroule dans un réseau de souterrains qui court sous l'entièreté de la région, où vous êtes invité à creuser partout et à vous forer une base secrète. Enfin, les caractéristiques géographiques de Sinnoh se traduisent même jusque dans les CS de cette génération, les techniques qu'on doit obligatoirement enseigner à nos Pokémon pour pouvoir franchir certains obstacles et progresser dans l'aventure. Émeraude avait 3 CS aquatiques, avec surf, cascade et plongée, ce qui était cohérent avec la prépondérance de l'océan sur la carte de Hoenn. Plongée est abandonnée dans cette génération, tout comme Flash qui devient une simple CT et ne sert plus que dans la grotte revêche, au profit de Anti-Brume qui sert à dissiper le brouillard qui couvre certains endroits, et Escalade qu'on utilise pour se déplacer le long de certaines pentes rocheuses. On va revenir plus loin sur la pertinence de ces CS en termes de rythme du jeu et de team building, pour les défoncer, mais pour le moment, du point de vue thématique, elles sont tout à fait appropriées.
Avec un tel effort déployé en pré-production, dans l'esthétique des environnements et dans les mécaniques de cette génération pour représenter et respecter la beauté de la nature de Hokkaido, vous imaginez bien que Platine reprend et poursuit la thématique de l'environnementalisme qui a toujours existé dans Pokémon, mais qui était particulièrement mise en avant dans Emerald. Le monde décrit ici est toujours une utopie, où le développement de la société humaine se fait dans le respect et l'amour de la nature et des êtres qui y vivent. L'accent est mis sur les sources d'énergie employées, les éoliennes de Floraville, les routes de panneaux solaires de Rivamar, et le charbon miné à Charbourg. Les deux premières sont renouvelables, et la troisième, même si on sait que c'est une source d'énergie fossile qui participe fortement à l'émission de CO2, est présentée dans le jeu de manière très positive, comme le produit de la terre et des efforts conjoints des mineurs et de leurs Pokémon qui travaillent fièrement main dans la main, mineurs qui d'ailleurs semblent parfaitement satisfaits de leurs conditions de travail. Et puis la grande majorité des villes de Sinnoh sont très bien intégrées dans la nature qui les entoure, même si ça ne va jamais aussi loin que dans les cas de Symmetronel, Pacifiville et Athanalopolis à Hoenn. De Floraville couverte de fleurs à Verchamps qui contient un marais aménagé, en passant par Volaroc et ses cratères de météorites, ou Bonville qui est un village fermier. Peu de villes à Sinnoh sont pavées, et même quand elles le sont, elles parviennent généralement quand même à intégrer des éléments naturels, comme le square paisible à Uniopolis. Contrairement à Emerald, où cet environnementalisme était central et placé au cœur du scénario, il passe ici au second plan et en soutien de LA thématique qui caractérise la quatrième génération, la spiritualité. Une spiritualité au sens Shinto du terme, c'est-à-dire une forme d'harmonie entre les humains, la nature et les Pokémon qui passe par la sagesse, le respect, l'amour et les traditions. Et comme d'habitude, cette thématique va se manifester dans plein d'aspects du jeu. Pour commencer, la notion de Pokémon divin est beaucoup plus présente que dans les générations précédentes, où même les légendaires n'étaient au mieux considérés que comme des créatures rares, si ce n'est uniques, au pouvoir extraordinaire ayant engendré des légendes. Là, Sinnoh dispose d'un véritable mythe de la création. Le trio de Pokémon légendaires mascottes de Diamant, Perle et Platine, à savoir Dialga, Palkia et Giratina, sont crédités comme responsables de la création et du fonctionnement respectivement du temps, de l'espace et de l'antimatière. Dans les dialogues des PNJ, dans les statues qui leur sont érigées de part et d'autre de la région, et jusque sur leurs pages dans le Pokédex. Mieux, cette quatrième génération introduit discrètement le Pokémon Arceus, conçu comme un amalgame de plusieurs divinités primordiales de diverses religions, et considéré depuis comme le créateur de cet univers, et des autres divinités mentionnées plus haut, auxquelles elle aurait délégué le fonctionnement des lois de la nature, après avoir épuisé son pouvoir dans cet acte de création originel. Ce Pokémon légendaire est mentionné sans jamais être nommé, dans un certain nombre de dialogues de PNJ, et il a ce qui semble être un culte qui lui est dédié, à en croire l'église basée à Uniopolis, étonnamment chiche en symboles religieux, en dehors de ce vitrail, dépeignant le sommet du mont couronné brillant de la lumière créatrice d'Arceus. Cependant, si je dis qu'il est introduit discrètement, c'est parce que bien qu'il soit présent dans le code du jeu, capturable au niveau 80 en haut d'un escalier de lumière situé au-dessus des colonnes lances, elles-mêmes déjà situées au sommet du monde tout en haut du mont couronné, et utilisable en combat, le rencontrer nécessite de posséder une flûte azur, un objet qui aurait dû être distribué au cours d'événements promotionnels mais qui ne l'a jamais été, parce que Nintendo a changé d'avis. Sur émulateur, il ne faut qu'une quinzaine de secondes pour entrer un code Action Replay qui vous donne cet objet. Mais sur cartouche, si vraiment vous voulez rencontrer Arceus de cette manière, votre seul recours est d'exploiter un bug complexe de la mécanique de cadeau mystère et de la connexion Wi-Fi, dont vous trouverez une explication détaillée dans la description. Bref, qu'on puisse le rencontrer et tester son omnipotence à coup de Master Ball ou non, Dieu existe dans cet univers, et c'est un Pokémon. Il est toujours possible de croire que comme dans les générations précédentes, ces divinités sont simplement des créatures très anciennes et puissantes autour desquelles des mythes se sont tissés en fonction des pouvoirs dont ils font preuve, mais au vu de la mise en scène qui les entoure, ça devient vraiment compliqué. Que ce mythe de la création soit vrai ou non, il participe à la spiritualité de Sinnoh, dont les habitants rendent honneur à ces Pokémon originels et se considèrent comme chanceux d'exister et de coexister avec la nature de la région et ses Pokémon, d'où leur respect pour celle-ci. Au passage, signalons également que les évolutions finales des trois Pokémon de départ sont également inspirées de divers mythes. La tortue qui porte le monde de la mythologie hindoue, Poséidon le dieu des mers de la mythologie grecque, et le roi singe Sun Wukong du conte chinois Pérégrination vers l'Ouest. C'est la première fois dans la série que le trio de départ adopte un thème lié au propos du jeu, et ce ne sera pas la dernière. Cette spiritualité se manifeste également par l'omniprésence des Pokémon légendaires à Sinnoh, que ce soit dans sa géographie, dans son Pokédex, ou dans la vie quotidienne de ses habitants. Dans sa géographie, parce que Sinnoh est organisé autour du mont couronné relié à Arceus, et des trois lacs situés dans ces trois coins, où résident les légendaires Créelf, Créfollet et Créfadet. Dans son Pokédex, puisque la quatrième génération introduit pas moins de 14 nouveaux légendaires, soit plus que les deux premières générations réunies. Et dans la vie quotidienne de ses habitants, parce qu'au lieu d'être exilés au fin fond de donjons obscurs ou cachés derrière des énigmes en braille, un certain nombre de légendaires interagissent ici directement avec la vie des humains. Regigigas réside dans un temple qui lui est dédié à Frimapic, ne se montrera que si vous avez avec vous les trois golems légendaires de Hoenn. Shaymin a fondé Floraville en faisant fleurir son sol,
et peut d'ailleurs changer de forme grâce à une gracilée obtenue justement à Floraville. Darkrai est lié à une auberge abandonnée dans la ville de Joliberge et est probablement responsable de l'enfermement d'un enfant de cette même ville dans ses cauchemars, donc vous l'extrayez à l'aide d'une lunelle tenue auprès de Cresselia. Palkia et Dialga ont des statues et des représentations picturales, et Arceus a l'église qui lui est consacrée. Bref, Sinnoh est une terre de mythes, beaucoup plus centrée sur ses nombreux Pokémon légendaires que n'étaient les régions des jeux précédents, et qui, comme Johto, est restée proche de ses racines culturelles. À ce propos, les noms des villes de Sinnoh en japonais ont comme particularité de toutes être écrites en Yamato Kotoba, des mots d'anciens japonais qui étaient utilisés ponctuellement dans les régions précédentes, mais pas de manière aussi uniforme. Et vous imaginez bien que c'est un détail qui est complètement passé à la trappe à la traduction. Les principaux personnages de cette histoire sont eux aussi taillés en fonction de cette thématique principale. Notre rival cette fois-ci n'est pas un sale gosse qui nous motive par son hostilité, n'est pas une racaille qui apprend petit à petit à s'ouvrir aux autres, n'est pas une planche de bois sur laquelle je n'ai rien à dire, c'est un ami d'enfance tout à fait amical mais qui a comme vrai défaut franchement gavant d'être toujours à 100 à l'heure et de ne pas réfléchir avant d'agir. Il rentre dans les gens parce qu'il ne regarde pas devant lui, il se lance au quart de tour après avoir obtenu son premier Pokémon sans prendre le temps de recevoir un Pokédex ou une carte, il veut tracer à travers les hautes herbes sans Pokémon pour se défendre, et on verra bien ce qui se passera. Quand bien même il a bon fond, les premières heures font tout pour nous le rendre insupportable, et j'ai longtemps pensé que ça faisait de lui un des pires rivaux de la série. D'ailleurs pour me venger, je l'ai appelé Jean-Kevin. Mais je suis revenu sur cette position en me rendant compte qu'il remplit parfaitement son rôle de rival, en nous donnant l'exemple, comme ceux des deux premières générations, de ce qu'il ne faut pas être au vu des thématiques abordées ici. Pour ne pas lui ressembler, nous prenons notre temps. Nous nous intéressons aux lieux qu'on traverse et à leurs habitants, nous nous préparons pour les différentes étapes de notre voyage, et les combats difficiles, sans y aller à l'aveugle. L'arc scénaristique de Jean-Kevin avance quand il se fait remettre à sa place par un des admins de la Team Galaxy, après s'être précipité pour l'affronter avant nous, sans être au niveau. Il prend conscience à ce moment-là que ça ne suffit pas de foncer tête baissée avec de bonnes intentions, et la prochaine fois qu'on le voit, quand il nous vient en aide aux colonnes lance, il n'arrive pas en avance, mais juste à temps, et prêt à se battre à nos côtés. Et à la fin du jeu, il se retiendra de nous défier à la première occasion venue, pour à la place attendre le moment précis où on va se mesurer au Conseil des 4. Pour matérialiser cet arc dans le gameplay, il inclut dans son équipe, à partir de la défaite qui enclenche sa réflexion, un Goinfrex, qui, comme on le verra plus loin, est un des Pokémon qui demande le plus de patience à capturer de la série entière. Signifier ainsi l'évolution d'un personnage à travers la composition de son équipe est quelque chose que la série Pokémon fait souvent, et que j'apprécie beaucoup. Cynthia est la maîtresse de la ligue de cette génération, et elle est plus impliquée dans les événements du jeu que ceux des générations précédentes. On la croise à plusieurs reprises, elle participe au climax scénaristique, et elle a le temps de développer sa vision d'un monde harmonieux, où les liens entre humains et Pokémon, entre passé et présent, entre la région et ses habitants, sont robustes. L'occupation de Cynthia est archéologue, elle provient du village de Celestia où se trouvent les peintures murales dépeignant une partie du mythe de la création de Sinnoh, et ses dialogues la dépeignent comme une force tranquille, extrêmement sage et ouverte aux autres. Elle incarne donc cette spiritualité de Sinnoh, et elle constitue le contrepoint du troisième et dernier personnage important, Helio. Helio est le meneur de la Team Galaxy, et l'antagoniste principal de cette histoire. On le croise à plusieurs reprises pour qu'il déblatère des sophismes sur le monde qui part en couille et comment il doit le refonder, et la bande de guignols qu'il dirige n'est pas non plus exactement la montagne de la cohérence et de la bonne écriture. La Team Galaxy est un micmac de mafia, de sectes et de terroristes, dont les actions durant la première moitié du jeu n'ont pas grand-chose à voir avec le plan de leur leader, et servent surtout à occuper le joueur. Les longues tirades d'Helio sur le nouveau monde et les émotions qui ne servent à rien et bla et bla et bla font franchement rouler des yeux, des pépites d'écriture comme « Contrairement aux autres membres de la Team Galaxy, je n'utilise pas les Pokémon, je me contente d'accaparer leur puissance. » Eh oui, c'est pas du tout la même chose. Mais Helio aussi est finalement plus approprié aux thématiques de cette génération qu'il en a l'air, même si c'est de manière un peu grossière. Le cœur de sa rhétorique à deux balles sur la nécessité de détruire le monde est que les conflits existent, que les liens entre les gens finissent inévitablement par les blesser, et que l'émotion est contre-productive. Les éléments de background donnés par des membres de sa famille nous apprennent que Helio a grandi seul, préférant la compagnie des machines à celle des êtres vivants, et qu'il a fini par se renfermer complètement sur lui-même. Là où ce n'est pas très élégant, c'est que tout dans le jeu donne tort à Helio, et qu'il ne nous donne jamais l'impression d'avoir au moins un peu raison. Aucun conflit n'existe à Sinnoh, pas même une petite grève des mineurs à Charbourg. Et c'est bien l'émotion, et le lien entre ses habitants, qui font son harmonie. Il passe surtout pour un incel aigri et d'ailleurs hypocrite, puisqu'entre les deux derniers affrontements contre lui, son Osferalto évolue en Ostenfer, et c'est une évolution qui se fait au bonheur. Donc sa propre équipe de Pokémon lui donne tort. De fait, le scénario de cette quatrième génération, dans lequel la Team Galaxy essaye de détruire le monde en faisant appel au pouvoir de Dialga, Palkia et Giratina, ne mérite vraiment pas un Nobel de littérature, puisqu'il repose uniquement sur les motivations exagérées de Helio. Pourtant, derrière cette maladresse, il y avait une bonne intention, demander aux joueurs de se poser en défenseur de l'équilibre serein de Sinnoh face à un individu qui rejette ses valeurs, utiliser la symbolique du mythe de la création
pour mettre en scène une tentative, forcée par le biais de la science, mais avortée, de recréer un univers sur des fondements qui ne seraient pas souhaitables, et utiliser la figure de Giratina, rejetée par les autres Pokémon légendaires et exilée dans sa dimension parallèle froide et vide, comme un miroir de Helio, et de ce à quoi ressemblerait son idéal. D'ailleurs, le point d'orgue de ce scénario, l'ascension du Mont Couronné pour stopper l'invocation de Dialga et Palkia, l'affrontement contre les admins de la Team Galaxy au Colonne Lance, l'apparition surprise et sacrément stylée de Giratina, les quelques dizaines de minutes d'errance dans le monde Distorsion se terminant sur la capture de Giratina et l'affrontement final avec Helio, tout ça est très réussi en termes d'ampleur, de rythme et de mise en scène. Avec davantage de subtilité, en faisant de la Team Galaxy un peu moins des méchantes cartoons qui donnent des coups de pied aux chiens, et en entretenant un peu mieux le questionnement sur la validité de la position d'Helio, ça aurait pu être une bonne histoire. Mentionnons rapidement la musique de cette génération. La plupart des morceaux sont composés par Goichi Nose, qui pour la première fois supplante Junichi Masuda à la direction de cette bande-son, et dont la spécialité depuis la deuxième génération est la création d'une ambiance adaptée à la région à travers les musiques de ville et de route. Pour coller aux thématiques de Sinnoh, les trompettes de Hoenn sont complètement délaissées, et l'identité musicale de la quatrième génération est à la place donnée par un piano et un synthé comme instruments centraux. Les musiques de ville sont toutes très sereines et douces. Les musiques de route, pour induire un sentiment d'aventure, sont plus punchy, reposent davantage sur le synthé et font parfois intervenir d'autres instruments, comme cette guitare. Les musiques de combat, quant à elles, sont intégralement composées par Junichi Masuda dans un style plus électronique, et on y retrouve plutôt bien les sonorités de celles des générations précédentes. Renforcées, comme le permettent les capacités sonores de la DS bien plus vastes que celles de la GBA, de divers instruments supplémentaires, et en particulier des percussions, qui servent à donner à ces affrontements une certaine gravité. Bon, j'essaye de tirer des généralités de cet ensemble de morceaux, mais vraiment les quelques exemples que j'ai fournis ne suffisent pas à représenter toute la variété des styles musicaux et des sonorités mobilisées. Et bien d'autres excellentes musiques mériteraient d'être citées et analysées. La qualité de la bande-son est un des rares points sur lequel la série Pokémon n'a fait que s'améliorer depuis ses débuts. Et à partir de cette quatrième génération, on entre dans ce que je considère comme du vraiment exceptionnel, qui tire l'expérience de jeu vers le haut. Même les jingles d'accroche des dresseurs qu'on n'est pas censé entendre plus de 5 secondes sont excellents, avec par exemple celui-ci qui ferait une meilleure musique de Luigi's Mansion que la quasi-entièreté de la vraie bande-son de Luigi's Mansion. Pour finir sur la nouvelle région, parlons des Pokémon qui sont introduits à Sinnoh. Ils sont au nombre de 107, et d'entrée de jeu, on peut remarquer deux caractéristiques propres à cet ensemble de nouvelles créatures. Il y a beaucoup de légendaires, 14 pour être exact, pour des raisons qu'on a déjà détaillées. Et il y a également beaucoup d'extensions de lignes évolutives déjà existantes. 29 de ces Pokémon exactement sont soit des évolutions, soit des stades bébés de créatures des générations précédentes, soit plus que dans toute autre génération, avec d'ailleurs des choix quant à qui méritait une extension de sa ligne évolutive parfois étonnant. Que Simularbre ou Levenard reçoivent un stade bébé pour qu'il soit possible de les inclure à notre équipe tôt dans le jeu et que leur évolution vienne accompagner le développement de notre équipe, c'est très bien. Donner deux évolutions de plus à Evoli, ça fait toujours plaisir. Mais qui s'est dit que Porygon avait besoin d'une deuxième évolution par échange derrière sa première évolution par échange? Qui s'est dit que Rhinophéros n'était pas assez fort et qu'il fallait lui donner une forme finale avec une des stats d'attaque les plus hautes du jeu? Qui s'est dit que Excellent n'était pas déjà assez moche? Qui aimait à ce point Roselia qu'il mérite à la fois une forme bébé et une évolution.
À ce propos, cette génération est celle où le monopole de Ken Sugimori sur la conception visuelle des Pokémon s'estompe. Probablement aussi parce qu'après près de 400 bestioles, le gars commence à être un peu à court d'idées. Et où l'équipe de chara-designer s'agrandit. Et ça se voit. Des différences de design assez frappantes distinguent très nettement ces évolutions 4G des Pokémon dont ils proviennent. Pour simplifier un peu les choses, pour 4G-ifier un Pokémon des générations précédentes, vous le rendez plus fat et vous le colorez dans une teinte plus sombre. Ça donne des designs qui, à mon avis, vont du assez grossier au franchement moche, et en particulier, je suspecte fortement que la personne qui a fourni le design de Capidextre, avec sa tronche d'emoji et ses mains qui ressemblent à des pies de vache, n'a plus jamais eu l'occasion de dessiner autre chose, et c'est tant mieux. Les autres Pokémon de cette génération, ceux qui sont nouveaux, restent assez conventionnels dans leur concept comme dans leur design. On a là encore les trois starters basés sur des animaux, et des équivalents de Rattata, de Rookool, de Pikachu, de Chenipan, des fossiles et de Dracolos. La règle des deux couleurs, qui tirait son origine des limitations techniques de la Game Boy, est définitivement loin derrière nous, et la plupart de ces nouveaux Pokémon présentent 4 couleurs, voire plus. Même si la résolution de l'écran de DS n'est pas beaucoup plus élevée que celle de l'écran de GBA, les sprites de platine occupent plus de place à l'écran, ce qui se traduit par un gain significatif de pixels, permettant d'afficher et d'inclure au design de nouveaux Pokémon davantage de détails. Nous avons donc droit à une surabondance de motifs, de pics partout et de détails de morphologie qui, si vous voulez mon avis, sont un peu too much et nuisent au concept pourtant tout aussi inspiré que d'habitude que ces designs mettent en image. Par exemple, Karchakrok est un dragon inspiré des requins des sables, mais entre les 12 000 pics, les touches de rouge et de jaune et l'espèce de motif d'étoile sur son museau comme si c'était un descendant de la famille Joestar, cette intention créative est un peu brouillée. Entre ça et les gimmicks de design des nouvelles évolutions, vous aurez compris, je pense, que la 4ème génération est celle dont les Pokémon me plaisent esthétiquement le moins. Il en faut bien une. Pour finir tout de même cette partie sur une note positive, mentionnons une poignée de concepts de Pokémon que je trouve particulièrement originaux. Sankoki est un Pokémon limace qui exemplifie bien un procédé de design introduit dans la 3ème génération avec Spinda et Morpheo, les formes alternatives. Un même Pokémon peut exister sous différentes formes, et la 4G généralise ça en introduisant enfin un peu de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire des différences physiques entre individus mâles et femelles de certaines espèces. Sankoki et son évolution existent en deux versions, non pas en fonction de leur sexe, mais plutôt de leur origine géographique. Les Sankoki capturés à l'ouest du Mont Couronné arborent une couleur rose dégueulasse, tandis que ceux capturés à l'est du Mont Couronné sont d'un bleu-vert bien plus stylé. C'est une idée d'autant plus intéressante qu'elle inscrit l'élément central de la géographie de Sinnoh, qui est le Mont Couronné, dans le gameplay de rencontre et de capture. Motisma est un Pokémon trouvé dans une rencontre unique au vieux château de la forêt de Vestigion, qu'on va beaucoup, beaucoup trop voir et ne plus pouvoir encadrer d'ici quelques générations, mais pour le moment c'est un petit fantôme électrique qui dans Platine a la possibilité de changer de forme en investissant un appareil électrique parmi frigo, tondeuse, ventilateur, four et machine à laver, ce qui lui confère à chaque fois une attaque spécifique et un deuxième type qui remplace Spectre. C'est rigolo et créatif, mais pour une raison qui me passe complètement au-dessus, l'accès à ces formes alternatives est verrouillé derrière l'obtention d'un objet spécifique par le biais d'un événement communautaire, comme les Pokémon légendaires dont il était question plus haut. Évidemment, lui aussi complètement inaccessible aujourd'hui. Faites-vous le plaisir d'injecter cette clé dans votre partie par le biais d'un code Action Replay, pour profiter de ce qui était pourtant un argument marketing de Platine par rapport à Diamant et Perle. Et pour finir, nous avons Pijako, un Pokémon oiseau que personne ne joue parce qu'il est naze, mais qui a une attaque signature très particulière, Babil. Babil exploite le micro de la DS en vous proposant de parler pendant que l'attaque s'effectue pour augmenter les chances de rendre sa cible confuse. Cette chance est de 1% si vous ne dites rien, et elle peut monter jusqu'à 31% si vous parlez beaucoup et très fort. C'est un effet très dépendant des conditions matérielles de son époque et qui n'a évidemment pas été possible de conserver éternellement au fil des générations, mais ça en fait une des curiosités de Platine. Qui va par ailleurs nous fournir notre transition vers la partie suivante, puisque nous allons maintenant parler des évolutions mécaniques et techniques apportées par la 4ème génération. Pour la première fois dans l'histoire éditoriale de Pokémon, la 4ème génération ne modifie que très peu le game design basique de la série. Il y a bien sûr des nouveaux Pokémon, tout un tas de nouvelles attaques, de nouveaux talents et de nouveaux objets à faire tenir, le tout pour explorer plus en profondeur les possibilités offertes par le très complexe système de combat de Pokémon. Tout ceci renforce encore les possibilités de jeu compétitif, mais surtout participe à une certaine fraîcheur de l'aventure, puisque même si vous utilisez encore le même Léviator que dans toutes les générations précédentes, il ne va pas se jouer pareil, avec l'introduction de Hydro-Queue, Croglass ou Lame de Roc, et surtout avec la modification importante du système de jeu apporté par la 4G, la séparation entre les capacités physiques et spéciales. Auparavant, c'était exclusivement le type d'une capacité qui déterminait si elle mobilisait la stat d'attaque de son utilisateur et de défense de sa cible, ou celle d'attaque spéciale et de défense spéciale.
La logique suivie faisait généralement sens quand il s'agissait par exemple de dire que les attaques psy, feu, électrique, glace, etc. étaient spéciales, et celles combat, roche, normal, étaient physiques. Mais il y avait toujours quelques situations surprenantes. Ultra-laser était physique. Balombre était physique. Dracogriffe était spécial. Les attaques ténèbres comme morsure, mâchouille, feinte, larcin étaient toutes spéciales, alors qu'elles n'avaient vraiment pas l'air de l'être. Bref, il y avait des bizarreries, mais le système était globalement compréhensible, puisque simple. À partir de la quatrième génération, c'est désormais chaque attaque qui se voit attribuer à un fonctionnement physique ou spécial, d'une manière qui est presque tout le temps intuitive. J'ai dû demander de l'aide pour trouver des exemples qui ne sont pas, et il a fallu aller chercher jusqu'à Feu Sacré, une attaque exclusive aux Pokémon légendaires ou haut, qui est inexplicablement physique. Une bonne partie des capacités introduites par cette génération servent d'ailleurs à donner à tous les types de solides options offensives, physiques et spéciales. Lame d'air comme attaque spéciale de type vol, Vibre Obscur comme attaque spéciale de type ténèbres, maintenant que les classiques Machouille et autres feintes sont passés physiques, Psycoup de boule et Coupe Psycho comme attaque physique de type psy, Lumino Canon comme attaque spéciale de type acier, etc. De la même manière, plusieurs Pokémon introduits en 4G sont là pour prendre le contre-pied de ce que leur type représentait jusque-là. Ainsi, Lucario, de type combat et acier, mais principalement un bon attaquant spécial, avec notamment sa capacité signature Aura Sphère. Et Blizzardois est un Pokémon plante et glace, orienté physique, avec Avalanche et Marteau Bois. Cette distinction physique spéciale est souvent citée comme une des plus importantes avancées du game design de Pokémon, mais en ce qui me concerne, je trouve que ça ne change finalement pas grand chose. Certains Pokémon en profitent clairement, c'est par exemple une vraie renaissance pour ce pauvre Farfuret qui peut enfin exploiter sa stat d'attaque avec des capacités de son propre type, comme Tranche Nuit, Éclat Glace ou Avalanche, et pour beaucoup de Pokémon de type feu de la première génération, qui avaient étrangement tous une bien meilleure attaque physique que spéciale, et qui peuvent maintenant en profiter avec Roue de Feu ou Bout de Feu. D'autres perdent en options offensives comme Alakazam qui ne peut plus utiliser les 3 points élémentaires avec sa stat de spécial, ou Branett qui se retrouve bien emmerdé avec son type spectre et sa bonne attaque physique maintenant que Ballombre est passé spécial. De manière générale, on passe d'un système que je trouvais déjà bon à un autre système que je trouve bon, et ça ne modifie pas en profondeur l'approche des combats, comme l'avait fait par exemple la séparation de la stat spéciale en attaque spéciale et défense spéciale, l'introduction des objets à tenir ou celle des talents. C'est par ailleurs, à l'heure où j'écris cette vidéo, la dernière évolution significative qu'a connue le système de jeu de la série. Toutes les générations suivantes se sont contentées d'ajouter des créatures, attaques, talents et objets, ainsi que des gimmicks ponctuels comme la méga évolution. On peut donc considérer que le game design fondamental de Pokémon avait déjà presque atteint sa forme finale dans Emeraude, et que la seule évolution majeure de cette génération, la séparation physique spéciale, constitue la cerise sur ce gâteau. Dit comme ça, ça donne l'impression que la 4G n'apporte pas grand chose de nouveau par rapport aux épisodes GBA, et si c'est effectivement le cas en ce qui concerne les systèmes de jeu, c'est une toute autre histoire du point de vue technique, car c'est là que se concentrent les grosses avancées. Pour commencer, vous n'aurez pas manqué de remarquer que si on reste sur des sprites pour les PNJ et les Pokémon en combat, les visuels des environnements sont maintenant en 3 dimensions. Les objets et éléments de décor sont des modèles 3D à la quantité de polygones un peu faible ou textures assez pauvres, mais qui peuvent bouger, tourner et changer de taille plus facilement qu'un sprite. Je pense par exemple au pont-levis de Joliberge, et au bateau lui-même dans le temps de chargement qui suit, qui en 2 dimensions ne pourrait pas être aussi dynamique. Un effet de profondeur est appliqué, qui fait réduire en taille ces modèles 3D tandis qu'ils s'éloignent vers le haut de l'écran. Effet qui s'allie d'ailleurs assez mal avec la très basse résolution de l'écran de DS, et qui crée un effet escalier assez moche à chaque fois qu'une ligne droite doit être déformée par un effet de profondeur. Ces graphismes en 3D, qui ont dû nécessiter d'énormes efforts d'optimisation sur une console qui reste assez faiblarde, forcent le respect, et placent une fois de plus Pokémon à la pointe de l'ambition technique et de la qualité de production de son époque. Ce n'était pas nécessaire de le faire, mais Game Freak l'a fait quand même pour être digne de la réputation de la série et des attentes qu'elle porte. Cela étant dit, je trouve personnellement qu'au-delà de l'exploit technique indéniable, ce style visuel n'est pas forcément plus réussi que celui des épisodes GBA en 2D à base de sprites détaillés. La 3D n'apporte pour le moment pas grand-chose dans le sens où elle est encore très peu exploitée dans la mise en scène, le concept des environnements. On reste avec le même angle de vue durant toute l'aventure, et aucune ville, route ou donjon n'exploite la troisième dimension au point qu'il serait impossible de les reproduire dans le style graphique de Emerald. Je suspecte que le level design de Perle et Diamant a été fait avant que ne soit prise la décision de réaliser les graphismes en 3D, parce que Platine ajoute le monde distorsion qui, lui, présente toutes sortes de jeux sur la profondeur et les angles de caméra, quelque chose qui deviendra d'ailleurs standard dans la 5ème génération avec des niveaux de zoom variables, des angles de caméra créatifs, des effets de rotation, qui viendront ajouter de la diversité visuelle à la plupart des environnements. En revanche, les textures à basse résolution, l'aliasing, la faible quantité de polygones, sont un peu trop évidents pour être ignorés et nuisent à la direction artistique, ce qui est d'autant plus vrai sur émulateur où ces défauts ne sont pas cachés par la taille de l'écran. Et c'est sans parler des conséquences de cette ambition technique sur la fluidité du jeu.
là où Ruby, Saphir et Emerald tournaient à 60 sweet sweet images par seconde, Diamant, Perle et Platine doivent se contenter de 30, et la différence est très perceptible si vous enchaînez les deux générations. La vitesse de marche, et surtout celle de course, supersonique dans Emerald, ont dû être réduites, probablement pour ne pas mettre la DS à genoux avec le flux de modèles 3D à afficher et d'effets de profondeur à gérer. Et puis c'est le grand retour des zones de chargement aux portes de la plupart des villes, par exemple Uniopolis qui présente un bâtiment tampon à chacune de ses trois sorties, zone de chargement qui avait été totalement abandonnée en 3G. Hoenn pouvait être parcouru d'un bout à l'autre sans transition. Je trouve donc que dans Platine, les désagréments qui viennent avec le passage à la 3D dépassent ses intérêts, et même s'il s'agissait certainement d'une étape obligatoire à un moment ou un autre pour Pokémon si la série voulait continuer à proposer une direction artistique ambitieuse selon les standards de son époque, j'estime quand même qu'il aurait été avisé d'attendre de maîtriser davantage le hardware de la DS avant d'effectuer cette transition. La DS possédait également une horloge interne qui a permis le retour du cycle jour-nuit, celui des jours de la semaine, ainsi que le suivi de l'heure de la journée, sans les problèmes de piles de sauvegarde qui y étaient associés dans Crystal. C'était et c'est toujours une bonne idée à la fois pour l'immersion du joueur dans un monde qui paraît ainsi plus vivant et directement relié au nôtre, et pour la richesse du gameplay de capture quand certaines créatures ne peuvent être trouvées que la nuit ou que le matin. Mécaniquement, on est toujours sur trois périodes seulement, matinée, journée et nuit. Mais visuellement, la journée a été découpée en pas moins de 11 périodes présentant toute une luminosité distincte. Certaines de ces périodes ne durent qu'une heure, comme le crépuscule orangé qui baigne Sinnoh entre 18 et 19 heures, et le souci du détail a été poussé jusqu'à faire éteindre les lumières dans les bâtiments à minuit. Les musiques sont aussi subtilement modifiées selon si c'est la journée ou la nuit, tellement subtilement en fait que vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte, mais la tonalité des mélodies est légèrement plus basse de nuit. Je suis assez perplexe qu'un tel effort de composition ait été fait sur une majeure partie des musiques pour un résultat aussi discret, et finalement anecdotique dans l'expérience de jeu. Mais bon, why not? Le cycle des semaines, quant à lui, est à nouveau exploité pour proposer des événements spécifiques à certains jours, comme des revanches contre les champions, et puis le fameux Baudriff du vendredi aux éoliennes. Je sais pas ce que les Pokémon ont avec le vendredi, mais décidément entre ça et le Loclass de Cristal, ils sont très pointilleux sur le calendrier. La DS disposait également d'un double écran. C'est d'ailleurs sa fonctionnalité principale, la plus mise en avant dans sa com et la plus exploitée par les jeux et séries conçus spécifiquement pour cette console. Dans le cas de Pokémon cependant, l'existence du deuxième écran ne change pas grand chose, au point que j'ai fait le choix dans ces captures de ne montrer que l'écran du haut et de passer de temps en temps sur l'écran du bas lorsqu'il s'y passe quelque chose. Il est utilisé pour le menuing en combat et libère donc de l'espace sur l'écran principal pour les visuels. Il est mis à contribution durant les rares cinématiques d'une manière honnêtement assez dispensable, et le reste du temps pendant les déplacements il sert à afficher les différentes applis de la Pokémontre. Une collection de gadgets à l'utilité plus circonstancielle les uns que les autres. J'imagine que c'est sympa de pouvoir visualiser sur l'écran du bas l'heure, ou un compteur de pas, ou une calculatrice, ou la carte de la région, ou le cherche-objet, mais il y a 25 applis comme ça, et franchement les deux tiers d'entre elles sont parfaitement OSEF. Qu'est-ce que vous allez faire d'une appli pile ou face? C'est une grande question. Ou mieux encore, d'un localisateur de communication sans fil, pour savoir qui utilise la communication sans fil à proximité de votre console. Vous savez, cette fonctionnalité qui demande déjà d'être à moins de 6 mètres l'un de l'autre. Et pour accomplir cette tâche essentielle, l'appli demande que vous restiez immobile dans le jeu. Bref, la Pokémon a son utilité, mais ce n'est pas l'idée du siècle, et elle donne surtout l'impression d'être là parce qu'il fallait bien trouver quelque chose pour occuper l'écran du bas. A sa place, il aurait pu y avoir des fonctionnalités de base comme l'ouverture du menu, l'interaction avec l'environnement et le fait de courir, qui sont moins flashy mais qui auraient permis de jouer exclusivement avec le stylet dans la main droite et la croix directionnelle sous la main gauche, ce qui était plutôt valorisé sur DS car apprécié par tout le public occasionnel attiré par les Layton et autres programmes d'entraînement cérébral du Dr. Mekui. D'ailleurs, c'est la direction prise pour l'écran du bas dans les remakes de Or et Argent, sortis quelques mois après Platine. La dernière innovation technologique de la DS mise à contribution dans la 4ème génération est sa connectivité sans fil, que ce soit console à console en cas de proximité physique, ou même en passant par internet et des serveurs dédiés. La version console à console remplace le bon vieux câble Link, pour tout ce qui est échange et combat avec des amis. Mais comme Nintendo en était très fier, ils ont aussi conçu toute une activité annexe qui tourne autour, le souterrain. Le souterrain est un vaste réseau de tunnels qui court sous l'entièreté de Sinnoh, et dans lequel vous pouvez évoluer en même temps que vos amis, poser des pièges, déterrer des trésors, creuser des bases secrètes qui font ainsi leur retour discret, et accumuler des trésors que vous pouvez ensuite envoyer vers votre sac pour les utiliser dans l'aventure. J'ai personnellement du mal à voir comment tout ça peut être excitant, mais je n'ai jamais pu en profiter avec des amis, donc je vais laisser à ce système le bénéfice du doute. Au minimum, on peut reconnaître qu'il échappe à la critique que j'avais adressée aux activités annexes de la 3ème génération.
qui était d'être complètement coupé des boucles de gameplay principales de la série. Ici, vous trouverez en creusant des objets intéressants à faire tenir vos Pokémon, des fossiles qu'il sera nécessaire de ranimer pour remplir le Pokédex, des écailleurs à échanger avec un PNJ averchant pour qu'il réapprenne à un de vos Pokémon une attaque qu'il a oubliée, et des tessons qui servent de monnaie d'échange auprès de plusieurs autres maîtres des capacités. Il y a également toute une procédure à suivre pour rencontrer et capturer Spiritomb, dont on en parlera plus loin, qui fait intervenir le souterrain. Comme cette méthode de connexion ne dépend pas de l'existence de serveurs officiels, elle marche toujours aussi bien qu'en 2009, mais malheureusement on ne peut pas en dire autant de la connexion par internet. Faire entrer Pokémon dans l'ère de la connectivité globale était une avancée majeure pour la série. Plus besoin de s'emmerder à avoir des amis pour pouvoir faire des échanges. Plus besoin de vivre dans une grande ville où des tournois sont organisés tous les 34 du mois pour faire du Pokémon compétitif. Avec un simple routeur, votre console et votre cartouche, vous étiez désormais relié à l'intégralité de la très très vaste communauté Pokémon dans le monde. Et vous pouviez joyeusement demander à la ronde des Mew Shiny en échange de votre Kunotor, et vous prendre pour un dieu de l'e-sport quand vous humiliez un gamin de 8 ans avec votre équipe de 6 Pokémon légendaires. Un endroit en début de jeu, la Global Trade Station, était dédié à cette orgie de connectivité, et tout un tas de forums se sont formés pour échanger des codes amis et faire des combats en respectant certains formats officiels pas forcément imposés par le jeu lui-même. Ça a été le gros boom du Pokémon compétitif, et en ce qui me concerne, c'est à cette époque, sur Perle, que j'ai découvert ce volet de la licence, grâce entre autres aux analyses compétitives présentées sur les sites Pokébip et Pokémon Trash. Mais vous aurez bien compris que si ce paragraphe est au passé, c'est parce que les serveurs officiels de la 4ème génération ont fermé il y a maintenant 8 ans, et que même s'il est toujours possible de passer par des serveurs privés, ça demande un matériel spécifique et de suivre une procédure un peu compliquée. Par conséquent, le online de platine, qu'il s'agisse d'échanges ou de combats, est virtuellement mort aujourd'hui, vous ne pouvez plus compléter les trous dans votre Pokédex par le biais d'échanges avec des inconnus. J'imagine qu'en dernier recours, quand la technologie nous lâche, ça reste intéressant d'avoir fait du lobbying auprès de ses amis pour qu'ils se mettent à Pokémon. Bon, tout ça c'est très bien, mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Si vous venez sur Esquive la boule de feu pour une discussion critique autour de Pokémon, j'aime à penser que c'est parce qu'ici on ne se contente pas de parler d'esthétique, de nouveaux gadgets ou de qualité de production, mais qu'on prend aussi au sérieux l'héritage de JRPG que transporte Pokémon, avec des influences comme Dragon Quest, Mother ou Shin Megami Tensei, et qu'on s'intéresse aux questions d'équilibrage de l'aventure, de construction mécanique de la carte et de route, de courbe d'expérience et de difficulté, de structure narrative, et c'est précisément ce dont il va être question dans cette troisième partie. L'aventure dans Platine, qui prend fin lorsque vous battez Cynthia à la Ligue et que vous voyez le générique, est structurée en ce qui me semble être trois actes. Le premier acte, le plus long, court du début du jeu jusqu'à l'obtention de Surf à Celestia, et vous fait parcourir linéairement la meilleure partie de la région. Vous contrecarrez plusieurs fois les plans plus futiles les uns que les autres de la Team Galaxy, vous remportez les 5 premiers badges, et vous repérez un certain nombre d'endroits auxquels vous ne pouvez pas encore accéder avec les CS dont vous disposez. Ce premier acte est très dirigiste, car la seule diversion possible à l'ordre imposé est l'exploration optionnelle de la route 206 et de la grotte revêche qui s'y trouve. Le deuxième acte va de l'obtention de Surf à l'attaque du quartier général de la Team Galaxy à Voile Rock. Vous y obtenez 2 badges et progressez dans le scénario avec le raid des admins Galaxy sur les 3 lacs. Mais surtout, c'est durant cet acte que vous obtenez les CS Surf, Force et Escalade, qui vous ouvrent accès à virtuellement toute la région. Sinnoh est donc maintenant ouverte, et présente tout un tas de zones optionnelles à visiter pour trouver des CT, des Pokémon rares, des objets d'évolution ou simplement de l'expérience. Les routes 219, 220 et 221 au sud de Littorelia, la forge Fuego sur la route 205, l'île de Fer au large de Jolieberge, la route 212 dont l'exploration était optionnelle dans le premier acte grâce à Vol, le vaste intérieur du Mont Couronné, et tout un tas de petites zones dans les grottes et routes que vous avez déjà visitées, qui n'étaient pas accessibles sans une de ces CS. Cet acte vous emmène également à Jolieberge via Surf, puis tout au nord de la région à travers le Mont Couronné et les routes enneigées 216 et 217, jusqu'à la ville de Frima Peak. Enfin, le troisième acte boucle tous les enjeux. Il contient le climax scénaristique, à savoir l'ascension remarquablement épique du Mont Couronné pour stopper les plans de Helio, et la visite du Mont Distorsion. Puis la dernière arène arrive à Mar, la traversée de la route Victoire, et les affrontements finaux avec le Conseil des 4 et Cynthia. Tout ceci est très bien sur le papier, mais j'ai beaucoup de remarques à soulever qui se cumulent pour remettre fortement en question la structure et le rythme de cette 4ème génération, et vu que cette affirmation ne correspond pas au consensus critique sur Platine, je vais prendre le temps de l'étayer. Pour commencer, cette génération est la première à présenter une quantité de tutoriels infantilisants en début de jeu que je considère excessive. En 2007, à la sortie de Diamant et Perle, Nintendo était résolument entré dans l'ère de l'ouverture au public occasionnel sur Wii et sur DS, et on a déjà eu l'occasion dans cette émission de détailler en quoi ça s'est souvent traduit par une perte de confiance totale en la capacité du joueur à connecter ses deux neurones, à s'investir dans un jeu si on ne lui mâche pas tout ce qui représente un effort d'engagement, et à apprécier une quelconque forme de challenge.
Platine présente donc une quantité invraisemblable de longs dialogues explicatifs sur chaque mécanique de jeu et de PNJ qui vous prennent par la main pour vous mener là où vous devez être, qui occupe environ la première heure de l'aventure. Appuie sur le bouton sur l'écran tactile, apprends à capturer des Pokémon, retourne obligatoirement voir ta mère dans le village de départ pour lui dire que tu pars à l'aventure, trouve les trois clowns dans Félicité et réponds à leurs questions abrutissantes pour avoir droit à un tutoriel sur la Pokémontre, va obligatoirement faire un tour à l'école des dresseurs, fais-toi alpaguer dès l'entrée de Charbourg par un rabatteur qui va te faire 12 pas pour te mener devant l'arène. Nintendo, de manière générale, nous a habitués à beaucoup plus d'élégance que ça au niveau des tutoriels dans ses autres séries, et même dans les précédents jeux Pokémon qui étaient également à destination des enfants, mais n'ont pas eu besoin de les tenir à ce point par la main pour être facilement accessibles, et avaient d'ailleurs à mon avis une approche bien plus efficace pour enseigner leur mécanique. Au lieu de simplement vous faire lire le fonctionnement des altérations de statut sur un tableau, Rouge et Bleu vous faisait comprendre par l'expérimentation ce qu'était le poison en vous faisant traverser la forêt de Jade, puis ce qu'était la confusion en vous faisant errer pendant une heure dans le mont Sélénite avec des Nosferatu qui vous harcelaient de leurs ultrasons. La boulimie de tutoriels de Platine est d'autant plus malvenue quand on se souvient de ce que je disais en introduction. La 4G avait le devoir à la fois de garder l'intérêt des fans de la première heure qui avaient grandi, et de capter celui d'une nouvelle génération de joueurs. Avec une ouverture pareille, le lycéen qui n'a pas besoin de réapprendre toutes ses bases ne peut y voir qu'une confirmation que Pokémon est effectivement une série pour gamins qui ne s'adresse plus à lui. Il aurait été avisé de demander en début d'aventure si c'était la première fois qu'on touchait à un jeu Pokémon, et de réduire drastiquement le handholding si ce n'était pas le cas. Ensuite, jetons un œil à la carte de Sinnoh. Si vous êtes aussi obsessionnel que moi, vous avez immédiatement l'eau qui vous monte à la bouche à la vue de ces délicieuses boucles de level design. Une boucle, deux boucles, trois boucles, quatre boucles, plus le mont couronné qui rajoute encore théoriquement des boucles dans ces boucles, tout enchevêtrées les unes dans les autres. C'est la promesse d'une certaine forme de non-linéarité et de choix significatif de la part du joueur quant à son itinéraire et aux priorités qu'il donne à tel ou tel challenge. En fait, non. Comme on l'a dit plus haut, le premier acte, durant lequel vous visitez tout cet enchevêtrement, est totalement linéaire. Vous êtes bloqué à chaque embranchement par des obstacles qui demandent des CS que vous n'avez pas encore, et vous n'avez jamais de choix. Quand enfin vous obtenez les moyens de naviguer comme bon vous semble dans la région, vous serez déjà allé partout, et aurez obtenu vol, donc vous ne vous déplacerez plus que sur le dos de votre étourmi. Sinnoh ne vous lâche jamais la bride pour ce qui est de la liberté dans la progression, et c'est une critique d'autant plus valide que les trois générations précédentes faisaient l'effort de proposer cette liberté. Kanto s'ouvre complètement à partir de Céladopol et vous permet d'obtenir les derniers badges dans l'ordre qui vous plaît, Johto ouvrait toute sa partie nord à partir de Rosalia, et Hoenn ouvrait l'accès à tout son océan à partir de Nenukrik. Dans ces trois cas, cet abandon de la linéarité s'accompagne de faiblesses au niveau des courbes d'expérience et de difficultés, qu'on a détaillées en particulier dans la vidéo sur Crystal, et qui se retrouvent dans les générations 1 et 3, à moindre échelle parce que l'ouverture s'effectue à plus haut niveau. Et, de fait, il faut reconnaître que Sinnoh ne présente absolument pas de tels problèmes. Mais l'ouverture progressive du monde a de la valeur, qui justifie qu'on se casse la tête à essayer de l'intégrer correctement, pas seulement pour l'engagement qu'elle crée du point de vue mécanique, mais aussi pour son intérêt narratif, car cela accompagne le développement du personnage, et avec lui du joueur, qui passe d'enfant qui suit un chemin balisé dans des environnements sécurisés, à aventurier, qui trace son propre chemin à travers des contrées inconnues. Mentionnons enfin le timing assez douteux de certains événements du scénario. Lorsque vous sortez de la 6ème arène, le professeur Sorbier vous donne, ainsi qu'à Jean-Kevin et à son assistante Aurore, la mission d'aller trouver chacun le Pokémon légendaire d'un des trois lacs de Sinnoh. Au même moment, la Team Galaxy passe à l'action et attaque ces lacs avec les bombes qu'ils ont passé le jeu à préparer pour cette occasion. Quand vous vous rendez donc au lac Courage, vous êtes témoin de la pire catastrophe dans l'histoire du peuple Magikarp, et vous arrivez trop tard pour empêcher l'admin Saturne de kidnapper le Pokémon légendaire. Rebelote au lac Vérité, où l'admin Mars vous troll malgré sa défaite et vous apprend que les trois Pokémon légendaires ont déjà été capturés. Le problème de timing survient ici. Forcément, vous vous précipitez au dernier des trois lacs, mais comme vous n'y êtes pas encore allé puisqu'il vous manquait le droit d'utiliser Force, qui vient avec le 6ème badge, vous devez vous taper le pèlerinage jusqu'au nord de la région, puis l'arène de Frima Peak pour pouvoir utiliser Escalade. Et malgré tout le temps que prend ce voyage, vous arrivez juste à temps pour assister à la branlée que prend Jean-Kevin de la part de la dernière admin, Jupiter. Un événement qui aurait dû être simultané à votre propre affrontement avec Saturne, puisque les trois lacs ont été attaqués en même temps. Ça n'a pas de sens, ça en aurait eu si vous étiez déjà venu à Frima Peak quand le scénario se met en marche et que vous aviez pu simplement voler d'un lac à l'autre, et pour ça il aurait fallu que la Team Galaxy attende que vous ayez 7 badges pour lancer le scénario. Cette solution est évidente, et je pense que les développeurs ne l'ont pas retenue et ont plutôt décidé de balayer les incohérences sous le tapis, parce que dans ce déroulement hypothétique dont je parle, toute cette partie du jeu dédiée à la résolution des enjeux narratifs aurait été encore moins intégrée à votre propre quête personnelle des 8 badges de Sinnoh, et c'est déjà là que le bât blesse.
J'ai déjà dit dans la vidéo sur Emerald que je n'étais pas du tout convaincu par la formule scénaristique gravée dans le marbre par la troisième génération, à savoir des altercations mineures avec la bande de bad guys tout au long du jeu, qui culminent en un gros moment de scénario entre les 7ème et 8ème badges, où tous ces enjeux scénaristiques sont résolus, avant que vous terminiez votre propre voyage initiatique, en allant défier le Conseil des 4, et en battant un boss de fin, qui n'est pas présenté comme une antagoniste ici, mais comme un modèle. Je ne suis pas convaincu parce que d'une part ça signifie que l'apogée dramatique du jeu survient avant sa fin, et que les quelques heures qui restent ensuite sont vécues comme une simple conclusion. Et je ne suis pas convaincu parce que même si ces événements scénaristiques sont un bon moyen d'aborder les thématiques propres à chaque génération, ils distraient, à grands coups de dialogue, pas très bien écrit, et de script, le joueur de la véritable progression narrative commune à toute la série, racontée, elle, par les mécaniques de RPG, à savoir l'ascension du personnage que vous contrôlez au rang de maître Pokémon, par son entraînement, sa connaissance des différentes créatures et capacités, son appropriation de l'environnement, et le lien qu'il forme avec les membres de son équipe. Donc voilà, le rythme et la structure de Platine me paraissent assez bancales. Mais le jeu ne se résume pas à ces questions-là, et on peut également parler de son level design. Les routes de Platine sont franchement assez solides. Passé les 3 ou 4 premières qui servent de transition entre tutoriels, elles ont toutes bénéficié d'un soin qui en font certaines des routes les plus poussées de la série, à la fois d'un point de vue esthétique et mécanique. Très loin derrière les 3 carrés d'herbe où se battent 12 dresseurs de la première génération, et des lignes droites très jolies mais dépourvues d'intérêt ludique des générations récentes. Les effets météo, les excellentes musiques, les palettes de couleurs assurent l'identité esthétique, tandis que la longueur de ces routes, les jeux d'élévation, les recoins à explorer pour y trouver des objets intéressants et les nombreuses mécaniques uniques assurent l'identité et l'intérêt mécanique. Petit florilège des routes les plus sophistiquées. La route 210 avec des herbes hautes sur sa partie sud qui cache la vue et empêche l'utilisation du vélo, et de la brume couvrant sa partie nord montagneuse. La route 206 qui est une piste cyclable sur deux niveaux comme à Hoenn, le niveau du bas permet d'en accéder à une grotte cachée sous la piste cyclable. La route 212 qui est très humide avec sa pluie, ses marécages et ses étangs. La route 228 qui reçoit en permanence les cendres du mont Abrupt et demande de faire du vélo sur tout un assemblage de poutres pour être entièrement exploré. Et puis la légendaire route 217 qui mène à Frima Peak, avec son blizzard apocalyptique qui ralentit presque complètement nos mouvements et ses objets enterrés sous la neige. Les grottes, en revanche, sont plutôt décevantes, surtout quand on considère l'accent qui est mis dessus du fait de la nature montagneuse de Sinnoh. Les environnements souterrains du jeu, à savoir l'intérieur du Mont Couronné, l'île de Fer, la grotte Revêche, les ruines de Bonville, la mine de Charbourg, la route Victoire et l'intégralité du souterrain, tout ça se ressemble et se confond autant esthétiquement, avec les mêmes teintes de gris et de marron partout, que mécaniquement, car aucun des lieux cités n'a de caractéristiques notables de level design ou de mécanique propre. La grotte Revêche se permet même d'avoir un level design de labyrinthe à la con avec des dresseurs postés tous les 30 pas, assez indigne des standards de Pokémon. Vous allez me dire, en même temps c'est des grottes, y a pas 40 moyens de designer des grottes. Et c'est faux! La génération précédente l'a prouvé en présentant un certain nombre de tels environnements qui parvenaient à être très identifiables esthétiquement. Le sentier ardent avec ses jets de vapeur, la grotte Tréfonds avec sa glace et sa mécanique de marée, la tour du désert envahie par le sable, la grotte Météore avec ses gours et ses formations calcaires. Le seul endroit aussi clairement défini visuellement dans Platine est le Mont Abrupt, avec ses murs rougeoyants de chaleur. Et c'est bien, mais c'est trop peu trop tard, parce qu'il s'agit d'un donjon post-game qu'un certain nombre de joueurs n'iront même pas voir. De fait, les donjons dans Platine, qui sont principalement de telles grottes, sont répétitifs et peu inspirés mécaniquement. On est bien loin des donjons de Bleu et Rouge qui avaient une structure et des mécaniques autrement plus inventives. Entre les énigmes à base de rochers à faire tomber entre les étages, aux îles Écume et puis dans la route Victoire, les embranchements labyrinthiques du Mont Sélénite, les dalles à tourbillol du Casino Rocket, les mécanismes dans les statues du manoir Pokémon, il n'y a qu'à comparer le QG de la Team Galaxy au bâtiment de la Sylph-Sarl. C'est la même mécanique qui est mobilisée, des téléporteurs entre plusieurs pièces et étages, mais de manière infiniment plus riche dans le deuxième cas, avec un donjon beaucoup plus vaste, beaucoup plus d'options offertes aux joueurs à tout moment, un déroulement non linéaire, et une grande partie du bâtiment optionnel, servant à récupérer des objets utiles. Il y a deux exceptions à cette médiocrité générale des donjons dans Platine. Le Mont Abrupt, qui en plus d'être visuellement stylé, est très grand et labyrinthique, et exploite voire abuse de la CS Escalade pour créer son échelle spatiale. Et puis le Monde Distorsion, qui a été rajouté par rapport à Diamant et Perle. C'est l'endroit le plus esthétiquement saisissant du jeu, qui ne ressemble à rien de ce que vous avez croisé ailleurs, la physique particulière de l'endroit est utilisée pour complexifier l'orientation, et le passage se termine sur une énigme à grande échelle de rochers à faire tomber dans des trous, qui a de bonnes chances de vous faire tâtonner. En bonus, on n'est même pas harcelé par des Nosferapti, des Fantominus ou des Montagnards, et on peut réfléchir et contempler en paix. Meilleur donjon du jeu. Il faut également parler de la lenteur générale de l'expérience, que j'évoque ici parce que c'est un problème qui trouve son origine autant dans des questions techniques que de level design.
une des améliorations les plus importantes apportées par Platine à Diamant et Perle, est une accélération significative de la vitesse de déplacement sur l'eau et du moteur de jeu durant les combats, qui en plus ajoutait d'étranges pauses après chaque action qui devenait vite insupportable. Le personnage marche à deux à l'heure, l'intro des combats est longue, beaucoup d'effets de terrain ont pour seul effet de nous ralentir encore ou de nous empêcher d'utiliser le vélo, il y a des temps de chargement d'une ou deux secondes partout, sauvegarder si vous avez joué plus de quelques dizaines de minutes prend une éternité et demie. Jules, à table, c'est prêt. Quelqu'un a eu l'idée saugrenue de programmer la perte de PV avec la règle 1 PV par frame. Et vous avez probablement déjà croisé une vidéo d'un Leuphorie niveau 100 qui met une vingtaine de secondes à vider sa barre de vie. Situation qui n'est pas du tout une expérience de pensée et qui devait arriver très souvent en compétitif puisque Leuphorie était un Pokémon central dans beaucoup de teams en 4G. Vous avez le temps d'avoir des enfants et de leur apprendre à jouer à Pokémon avant que cette barre de vie soit entièrement vide. Et enfin, le level design est café d'obstacles à négocier en utilisant une CS. Et utiliser une CS, ça signifie passer plusieurs secondes à regarder passer la même animation qu'on a déjà vue 600 fois avant que son effet s'applique. S'il s'agissait seulement de couper un arbre de temps en temps, utiliser anti-brume une fois au début de certaines routes et de monter une cascade tous les 36 du mois, ça ne serait pas un problème. Mais il y a énormément de situations où le level design va vous faire descendre du Pokémon sur lequel vous surfez, puis remonter dessus, puis redescendre et remonter en l'espace de quelques cases, ou enchaîner jusqu'à 5 ou 6 utilisations d'escalade, ou casser 4 ou 5 rochers à la suite avec les Class Rock. Et c'est parfaitement insupportable. Je galère d'ailleurs à trouver des illustrations de ce point qui transmettent bien sa pénibilité parce que j'ai systématiquement accéléré ces passages. Il aurait évidemment fallu zapper ces animations, ou alors adapter le level design en demandant moins d'utiliser les CS qui à la base n'étaient pas conçus pour une utilisation aussi intensive, mais plutôt pour être utilisés très ponctuellement, sur des obstacles savamment positionnés pour constituer des verrous à la progression. Du fait de cette surexploitation des CS dans les environnements, et de la nullité crasse en combat de anti-brume et escalade introduite ici, cette génération est celle où on constate le plus l'utilisation de ce qu'on appelle un esclave ACS, un Pokémon qui va occuper un emplacement dans votre équipe mais que vous n'allez pas entraîner et dont la seule utilité est de lui refourguer toutes les CS dont le reste de votre équipe ne veut pas, mais dont vous avez tout de même besoin. Knotor et son évolution Castorno sont tout désignés pour ce rôle, étant trouvés facilement un peu partout dans la région et pouvant apprendre 6 des 8 CS du jeu, y compris Coupe, Éclatroc et Escalade, dont personne ne veut. C'est en grande partie à cause des excès de la 4G que la grogne populaire contre les CS a commencé à monter, et qu'elles ont fini par être retirées dans Soleil et Lune, ce qui a été largement perçu comme une évolution positive, mais personnellement je trouve que l'idée d'agrandir l'espace de jeu auquel on a accès en apprenant des capacités à nos Pokémon, qui font le lien entre les systèmes de combat et ceux d'exploration, a de la valeur pour ce que ça raconte à travers les mécaniques de jeu, et qu'avant de jeter le flat bébé avec l'eau du bain, il aurait déjà fallu essayer de le faire bien. Ça implique de ne pas abuser des CS dans le level design, de rendre leur utilisation fluide, et surtout d'en faire des attaques que vous avez envie d'apprendre à vos Pokémon, pas comme Motherfucking Coupe. Et dans Platine, aucun de ces critères n'est rempli. Les CS vont vous casser les Pokéballs tout au long du jeu, et surtout elles vont contraindre vos choix de team building, en vous encourageant fortement à employer un esclave ACS, en vous contraignant à prendre des Pokémon haut ou vol pour les CS qui vont avec, et en occupant le tiers de vos 24 slots d'attaque, que vous auriez largement préféré dédier à Horasphere plutôt qu'à Anti-Brume. C'est d'autant plus dommage que la sélection de bestioles intégrées au Pokédex de Platine est franchement solide, et que les options de team building n'ont jamais été aussi riches. Les environ 200 Pokémon auxquels vous avez accès couvrent tous les types. Les objets d'évolution sont correctement répartis au fil de l'aventure pour permettre à chaque Pokémon d'atteindre son stade final à un point approprié. Aucune ligne évolutive n'est rendue injouable par des problèmes d'accessibilité ou de moveset. Et aucun type n'est favorisé de manière outrancière par un éventuel déséquilibre dans la nature de vos adversaires. Tout au plus, le type électrique est particulièrement utile à Sinnoh, à cause de tous les léviators que possèdent les pêcheurs un peu partout, et des 12 millions de Nosferalto utilisés par la Team Galaxy. Le type feu, quant à lui, reste peu représenté malgré les modifications apportées par Platine, qui rajoutent Pyroli, Magby et Malos au Pokédex régional par rapport à Diamant et Perle, qui n'avaient que Wistikram et Ponyta comme représentants du type feu. Ça me semble cependant excusable, déjà parce que le type feu est loin d'être incontournable, en dehors de toute la section autour de Frimapic où il est extrêmement utile, mais aussi parce que sa rareté colle avec la volonté de faire de Sinnoh une région froide et montagneuse.
il est également dommage que la grande majorité des options commence à arriver en milieu d'aventure, quand le joueur est très susceptible de s'être déjà constitué une équipe à partir des quelques Pokémon disponibles en début de jeu. Ça mène beaucoup de joueurs à se diriger vers des équipes assez semblables, et vous avez peut-être déjà vu passer ce type de mème, qui est malheureusement très vrai. Cette sélection de Pokémon a également été enrichie par rapport à Diamant et Perle de toutes les évolutions finales puissantes rajoutées par la 4G, les Helicab, les autres Rhinastock, qui étaient auparavant exclusives au post-game. Avec leurs stats particulièrement élevées, elles participent à un début de Power Creep pour la série Pokémon, qu'on détaillera davantage dans la 5ème génération parce que c'est elle la plus coupable de ce phénomène. Pour le moment, on va se contenter de dire qu'entre les nouvelles attaques, comme Dracommétéor à 140 de puissance ou Close Combat à 120 de puissance, la séparation physique spéciale qui permet souvent de taper plus fort qu'avant avec les mêmes attaques, et les évolutions finales de Pokémon qui étaient déjà bons qui vont taper dans des stats dignes de légendaire, votre équipe a toutes les chances d'être plus performante que celle des générations précédentes. Mais c'est également vrai pour vos adversaires. Si vous vous souvenez, la principale critique que je trouvais encore le moyen d'adresser à l'équilibrage de Emerald, c'est que même si ces boss étaient agréablement compétents, les dresseurs lambda que vous croisez partout restaient, eux, désespérément en sous-level et avec des Pokémon non évolués jusque très tard dans le jeu. Très tard étant environ la roue de victoire. Cette critique n'a plus lieu d'être dans Platine. Dès le 5ème badge environ, vos adversaires auront des Pokémon évolués et feront pleinement usage de la diversité offerte par ce Pokédex régional. Et il ne sera pas rare de se faire tanner le cul par un Cisaiox random dans l'arène de Joliberge, par un pêcheur avec une équipe entière de Léviator, ou par une skieuse avec un Givrali. Les routes de la deuxième moitié du jeu contiennent également un certain nombre de top dresseurs, dont les équipes ne sont pas restreintes à un seul type et qui utilisent des Pokémon particulièrement puissants. Pour toutes ces raisons, Platine est une des versions sur lesquelles il est le plus risqué de tenter un challenge Nuzlocke, c'est-à-dire où vos Pokémon sont considérés inutilisables quand ils tombent KO. Parce que chaque top dresseur que vous rencontrez est un adversaire sérieux, qui peut vous pulvériser tout ou partie de votre équipe. Cela culmine dans la route victoire, qui est entièrement peuplée de dresseurs particulièrement compétents avec les meilleurs Pokémon du jeu, à un niveau proche du vôtre. Et c'est... très bien! Il aura fallu 4 générations et plus de 10 ans d'histoire éditoriale, mais la série est enfin arrivée à proposer tout au long du jeu un challenge raisonnable, qui ne demande pas seulement de spammer la meilleure attaque de votre Pokémon en surlevel. Les boss de Platine ne sont pas en reste. Les champions suivent la même philosophie design que dans Emerald. Ils sont conçus pour être légèrement en surlevel par rapport à vous, sont capables d'utiliser des objets de soins et ont généralement équipé leur meilleur Pokémon d'une baie citrus, utilisent des stratégies uniques basées sur la CT qu'ils vous donnent à la fin du combat, comme le Lucario de Melina avec son Vampipoint, mettent en avant les Pokémon de cette génération en tant que dernier et meilleur membre de leur équipe, et possèdent des attaques de couverture pour pallier leurs faiblesses. Par exemple, le Blizzaroi de Gladys a Vibraquois pour pallier sa grosse faiblesse au feu. Ces champions sont tout de même moins violents que ceux d'Emerald, principalement parce que les stratégies uniques qu'ils déploient sont souvent plus originales que dangereuses. Et je pense en particulier au premier champion dont le gimmick est d'utiliser Piège de Roc. Piège de Roc a un effet permanent qui vous inflige de légers dégâts chaque fois que vous changez de Pokémon. Mais on est en début de jeu, vous n'avez probablement pas d'autres Pokémon que votre starter, et pas besoin d'autre chose que lui pour remporter ce combat. Et quand bien même ce serait le cas, ben, décourager le joueur d'utiliser la mécanique de changement de Pokémon n'est pas du tout le rôle d'un premier champion, ce serait même plutôt l'inverse. Comparez cela à Roxanne, qui était également une première championne de type roche, mais qui utilisait Tombroche avec son Tarineur, une attaque puissante à ce stade, et qui vous enseignait l'intérêt de la baisse de vitesse. De manière générale, il n'y a rien dans les combats d'arène de Platine d'aussi vicieusement optimisé que le Charter d'Adrienne avec Surchauffe et une Herbe Blanche, que le combat en duo contre Tatia et Lévi qui spammait Séisme avec un allié en lévitation, ou que le Hyperroi de Rouen avec Reflet, Repos et une baie marron. Il faut cependant signaler que les boss en Platine ne se résument pas aux champions, et que les admins de la Team Galaxy constituent eux aussi des obstacles très sérieux, surtout en début de jeu. Le Chaffreux de Mars et le Mouflaire de Jupiter, que vous devez affronter avec des Pokémon pas encore évolués, qui tapent extrêmement fort avec de bonnes attaques et qui se permettent en plus de porter des baies pour régénérer leur vie, ont mis fin à bien des Nuzlocke eux aussi. Et puis, le conseil des 4 de Platine est le plus compétent qu'ait connu la série jusqu'ici. J'ai été trop indulgent à une vidéo sur Emerald envers le conseil des 4 que j'ai balayé rapidement après la discussion sur les champions au prétexte que vous alliez de toute façon le trivialiser avec Rayquaza. Mais pouvoir être trivialisé est déjà un défaut en soi, un autre étant que plusieurs membres de ce conseil utilisaient un certain nombre de Pokémon pas pleinement évolués, ne couvrent pas entièrement leurs faiblesses, et ne mobilisent pas de stratégie particulière. Bref, qu'ils ne sont pas au niveau des standards posés par les champions de leur propre jeu. Ici, ce n'est pas le cas. Giratina est capturé au niveau 47, et ne suffit donc pas à passer par-dessus le challenge de la fin du jeu. Et les équipes de chaque membre du conseil sont aussi abouties qu'elles peuvent l'être, faisant pleinement usage de la diversité proposée par le Pokédex régional de Platine pour avoir chacun 5 très bons Pokémon, et couvrir un maximum de types. Tout ceci culmine sur l'affrontement contre Cynthia, qui peut prétendre au titre de meilleur combat de fin de la série. Pas seulement parce que Cynthia elle-même est un bon personnage, qu'on a eu l'occasion d'apprendre à apprécier tout au long du jeu, pas seulement parce que la mise en scène du combat et en particulier sa musique sont incroyablement épiques, mais aussi et surtout parce que son équilibrage est parfaitement calibré. Si vous n'avez pas grindé, Cynthia est susceptible d'avoir une dizaine de niveaux d'avance sur vous,
ce qui vous place tout de suite dans une position où toute attaque super efficace contre votre équipe signifie la perte d'un Pokémon, et où vous devez obligatoirement exploiter ses faiblesses pour progresser dans le combat. Au passage, le surlevel est un outil à la disposition des designers, et les joueurs ont trop tendance à mal l'interpréter. En voyant arriver un boss de fin autour du niveau 60, beaucoup de joueurs se disent « Oh merde, il va falloir que je grinde dans la route victoire jusqu'au niveau 60 !» Ben non, c'est pas écrit dans la loi que vous devez être au moins au niveau de ce que vous affrontez. En l'occurrence, ça sert juste à en faire un combat difficile, où vous êtes mis dans la position du challenger désavantagé. Cynthia a également certains des meilleurs Pokémon du jeu, dont 4, Myobelus, Togekiss, Spiritomb et Karchakrok, qui lui sont exclusifs, et que vous n'aurez croisé nulle part ailleurs. Et plusieurs d'entre eux sont parfaitement susceptibles de vous laminer votre équipe entière, en particulier le Karchakrok, qui a à la fois une stat d'attaque extrêmement élevée, la meilleure capacité du jeu séisme, plus de vitesse que tout ce que vous pouvez mobiliser contre lui, et une baie citrus au cas où. Mais il est également designé pour vous laisser des ouvertures, avec Drago Charge et ses 25% de chances de ne pas vous toucher, et Giga Impact, qui le laisse vulnérable pendant un tour entier, autrement dit, il est designé comme un boss, et pas optimisé pour la compétition. Dans l'ensemble, c'est une des trop rares situations dans la série où vous devez vraiment réfléchir, dépenser votre argent en objets de soins, explorer toutes les mécaniques à votre disposition, y compris des objets, et des CT auxquels vous n'aurez pas pensé autrement. Par exemple, pour le Karchakrok, si vous avez pris le temps d'explorer la route 221 optionnelle et de montrer à ce PP des Pokémon du niveau qu'il demande, vous avez une ceinture force que vous pouvez donner à un Pokémon auquel vous aurez enseigné la CT Avalanche, obtenue au terme du combat contre Gladys. La ceinture force assure que vous ne décédiez pas en un coup face au Karchakrok, qui va taper en premier, et durant votre tour, une Avalanche puissance 120 contre sa double faiblesse glace devrait largement suffire à vous garantir la victoire. Donc voilà, Platine a un excellent équilibrage de sa courbe d'expérience et de difficulté qui accompagne une sélection de Pokémon et des options de team building plus pertinents que jamais, et un très bon level design en dehors de ses grottes assez décevantes, qui viennent rattraper des problèmes de rythme, de structure et de fonctionnement des CS. La cerise sur le gâteau, c'est que tout ceci ne s'arrête pas à la victoire contre Cynthia, et au générique de fin, et se poursuit dans le postgame le plus conséquent qu'a connu la série Pokémon jusque-là, que l'on va examiner dans une dernière partie. Comme dans chaque version de Pokémon, la principale chose qui vous est proposée de faire une fois le jeu terminé est de compléter le Pokédex national. Pour avoir accès à celui-ci et à une bonne partie du contenu post-game, il faut déjà avoir vu, pas capturé, vu, les 210 créatures du Pokédex régional, ce qui est plus simple que ça en a l'air. Platine est en effet designée de sorte que si vous avez affronté tous les dresseurs qui se dressent sur votre route entre le village de départ et la ligue, vous aurez vu une fois tous les Pokémon du jeu, à l'exception de Créelf, Créfollet et Créfadet qu'il faut aller chercher au milieu de leur lac respectif, et Motisma qu'il faut aller rencontrer de nuit au vieux château de la forêt de Vestigion. Motisma est le seul qui peut nécessiter l'utilisation d'un guide, parce que sa rencontre n'est pas exactement intuitive, et en l'absence d'indice, le joueur n'a pas vraiment de moyen de deviner que c'est lui qui va occuper cet emplacement derrière Manaphy, alors que les trois autres sont évoqués et localisés au cours du scénario. Bref, une fois ce Pokédex régional rempli, vous obtenez le Pokédex national qui dans cette génération comprend la quantité intimidante de 493 entrées. Ce qui bien sûr en fait une quête du 100% encore plus longue et faisant appel à encore plus de mécaniques différentes que dans les générations précédentes. J'ai déjà détaillé dans la vidéo sur Crystal les mécaniques et systèmes qui intervenaient dans le cadre de la complétion du Pokédex, la capture, la reproduction, la montée de niveau, les pierres d'évolution, les échanges, et on ne va pas le refaire ici, pour à la place se concentrer sur les manières de remplir ce Pokédex, propre à la 4ème génération. Puisque seules 210 créatures étaient dans le Dex régional, ça en laisse au minimum 260 à trouver dans le post-game, alors que vous êtes déjà passé presque partout dans Sinnoh. Et 260, c'est vraiment beaucoup. Votre premier réflexe va être de vouloir les échanger ou les importer depuis d'autres jeux de la 4ème génération, Perle, Diamant, Cœur d'Or ou Âme Argent. Et depuis des jeux de 3ème génération, qui peuvent communiquer avec celui-ci à sens unique à travers une mécanique inutilement compliquée et restrictive, le Parc des Amis. Chaque jour, vous pouvez importer 6 Pokémon depuis la sauvegarde d'une version GBA, et aller les capturer dans le Parc des Amis au cours de rencontres qui ne sont que des formalités, puisque les Park Balls qu'on vous file sont des Master Balls déguisés. Et j'ai envie de dire encore heureux, puisque ce sont déjà vos Pokémon. Et effectivement, il va falloir en passer par là pour cocher les cases des starters des générations précédentes, de la plupart des légendaires, et d'une poignée de créatures exclusives à Diamant et Perle. Mais étonnamment, en dehors de ces exceptions, l'effort a été fait de rendre tous les autres Pokémon dont vous avez besoin pour compléter le Pokédex national accessibles dans Sinnoh, à travers une des 4 mécaniques suivantes que nous allons détailler. Méthode 1, simplement les chercher sur les routes et dans les grottes qui deviennent accessibles après l'obtention du Pokédex national. Sur la route 225, par exemple, vous trouvez naturellement la lignée évolutive de Rattata, celle de Piafabek et des Branett. Certains endroits comme le Grand Marais voient également la liste des Pokémon que vous pouvez y rencontrer enrichie une fois le Pokédex national obtenu. Méthode numéro 2, la mécanique dessin. En vous rendant à Littorellia et en parlant à cette gamine,
vous pouvez savoir où un essaim de Pokémon unique est en train de passer pour vous y rendre et capturer les Pokémon en question tant qu'ils sont disponibles. L'essaim en cours d'apparition change chaque jour, et il y a 22 lignées évolutives à acquérir de cette manière. Donc au grand minimum, il faut 22 jours pour avoir accès à tous les Pokémon exclusifs à cette mécanique. Et non, bidouiller l'horloge interne de sa DS ne fonctionne pas, le jeu s'en rend compte. Vous me voyez venir ? On est sur une énième mécanique de jeu mobile de merde, comme si Pokémon n'en avait pas déjà assez, et vous pouvez très bien vous retrouver bloqué par celle-ci pendant plusieurs semaines, alors même que vous avez rempli tout le reste du Pokédex national parce que ce stupide essaim de Terral ne veut pas apparaître. Méthode numéro 3, utilisez le Pokéradar. Cet outil vous est donné en même temps que le Dex national, et a comme principale fonction de vous permettre de rencontrer des Pokémon que vous ne croiseriez pas autrement, lorsque vous l'utilisez dans les hautes herbes. Par exemple, sur la route 210, il est possible de croiser ainsi des Drabi. Chaque route du jeu, ou presque, a ainsi un Pokémon exclusif au Pokéradar, mais ce qui a fait entrer cet outil dans la légende, c'est sa fonction secondaire, et un peu cachée. Après avoir vaincu ou capturé le Pokémon que le radar vous a permis de rencontrer, celui-ci se relance, et ça continue ainsi tant que vous continuez de rencontrer le même Pokémon, ce qui s'appelle une chaîne. L'intérêt de faire une longue chaîne est qu'à partir de 40 Pokémon identiques rencontrés à la suite, vous avez environ une chance sur 100 à chaque fois que le radar est relancé de voir briller intensément une herbe qui contiendra forcément un Pokémon Shiny. Plusieurs conditions compliquées que je ne vais pas détailler ici sont à respecter pour ne pas briser la chaîne, et contentons-nous de dire qu'arriver à ce nombre magique de 40 est très galère, que beaucoup de choses peuvent mal se passer, et que même si vous faites tout ce qu'il faut pour maximiser les chances de ne pas briser la chaîne, il y a au minimum 2% de chance à chaque itération que le jeu vous fasse un fuck. Donc c'est un espèce de jeu dans le jeu qui repose autant sur le hasard que sur votre bonne compréhension de son fonctionnement, votre sens de l'observation et votre capacité de prise de décision. Ça a été, on s'en doute bien, une révolution dans le milieu du Shiny Hunting, puisque vous n'étiez plus condamné à enchaîner les rencontres jusqu'à tomber sur la chance sur 8000 que ce soit un Shiny, et pouviez accélérer le processus en y mettant de l'huile de coude. Avec cette méthode, n'importe qui peut avoir son Evoli ou son Tilton Shiny en l'espace de quelques heures, et c'est ma foi une mécanique parfaitement optionnelle que je trouve excellente, dont le fonctionnement est ludique, et qui rend accessibles les Shiny sans les dévaluer. Toutes les générations qui ont suivi ont inclus une mécanique de chaîne de ce genre pour le Shiny Hunting, qu'il s'agisse du Pokéradar ou d'autres choses de similaires, et c'est tant mieux. Méthode numéro 4, insérez une cartouche de 3ème génération dans le slot GBA de votre DS. Et là, on entre dans du très discutable. Avoir une cartouche d'un des 5 jeux Pokémon sur GBA, à savoir Ruby, Saphir, Émeraude, Rouge-Feu ou Vert-Feuille, insérée pendant que vous jouez à Platine, permet de rencontrer certains Pokémon exclusifs à cette mécanique sur certaines routes, entre 4 et 7 par cartouche, et représentant ainsi 17 lignes évolutives au total. Et... y'a rien qui va avec cette mécanique. Bon déjà, vous n'avez aucun moyen de savoir quels Pokémon ont été rajoutés où, sans utiliser un guide, mais c'est vraiment la moindre des choses qu'on peut lui reprocher. Si vous jouez sur 3DS, vous êtes niqué, parce que cette console accepte les cartouches de DS mais n'a pas de port pour cartouches de GBA. Mais surtout, il faut posséder un exemplaire de chaque jeu de 3ème génération pour rencontrer ces 17 lignes évolutives. Allô ? Qui a acheté Ruby et Saphir et Émeraude ? Et je sens que je vais regretter d'avoir posé cette question. Le principe derrière tous ces efforts qui ont été faits pour inclure un maximum de Pokémon des générations précédentes dans le postgame de Platine, à travers toutes ces mécaniques qu'on est en train de détailler, c'est que vous puissiez presque compléter le Pokédex national avec seulement cette version, et en échangeant 2 ou 3 exclusifs avec des amis qui ont perlé diamants. Mais si vous êtes censé avoir un exemplaire de chaque version GBA sous la main, alors tout s'écroule! Pourquoi vous faire chier à attendre un troupeau de Doduo quand vous pouvez juste l'importer depuis Rouge-Feu? Bref, des moyens vous sont offerts pour accéder à presque tous les Pokémon dans Platine directement, mais soit parce que ces mécaniques sont chiantes, soit parce qu'il vous faut de toute façon toutes les versions GBA pour en profiter, vous allez tout de même lourdement vous reposer sur les échanges avec d'autres versions. Plus que jamais, l'indécence commerciale de Nintendo avec la série Pokémon est en roue libre dans la 4ème génération, parce que même si plusieurs combinaisons de versions sont possibles pour arriver au Pokédex complet, il va dans tous les cas vous en falloir au moins 4 ou 5 sur 2 consoles différentes. Mentionnons pour le LOL une petite liste des Pokémon les plus absurdément compliqués à obtenir. Spiritomb est une rencontre unique sur la route 209 qui vous demande d'apporter la clé de voûte, obtenue auprès de ce PNJ, jusqu'à la tour en ruine, avec un tout petit twist de rien du tout. Il faut avoir parlé au moins 32 fois à un autre joueur dans le souterrain pour qu'il apparaisse. Ça peut être 32 fois la même personne qui se déconnecte et se reconnecte, mais tout de même, qu'est-ce que c'est que cette condition absolument random et hyper contraignante ? Barpo se trouve dans le lac au sous-sol du Mont Couronné, empêchant dans exactement 4 cases parmi les 400 environ que comporte le lac. Et ces 4 cases sont générées aléatoirement chaque jour. Ah mais c'est pas grave, c'est un Pokémon de 3ème génération, on peut l'importer depuis Ruby, Saphir ou Émeraude. Ou il était encore plus difficile à trouver parce que c'était le même fonctionnement mais dans la rivière de la route 119 qui était encore plus grande.
Goinfrex est un peu une légende parce que les conditions pour le rencontrer sont si ridicules que vous avez meilleur compte à chercher des shiny. Comme une poignée d'autres Pokémon eux aussi très chiants à capturer, il se trouve en exploitant la mécanique d'arbre à miel. Vous posez du miel sur un arbre, vous revenez 6 heures plus tard, et vous découvrez le Pokémon que ça a attiré. C'est comme les coups de boule dans les arbres de cristal, mais avec un décalage de 6 heures entre le coup de boule et son résultat. Les chances de trouver un Goinfrex avec cette méthode sont de 1%. Oui, 1%! Et encore seulement sur 4 arbres à miel parmi la vingtaine que compte le jeu, déterminés aléatoirement au lancement de votre partie. Comme pour les Scarino des arbres à coups de boule, il y a un outil en ligne qui permet de savoir quels sont ces arbres, mais même ainsi, bon courage pour les 1% de chance de rencontrer votre Goinfrex toutes les 6 heures. Je peux faire le calcul, ça veut dire qu'il faut à peu près 600 heures en moyenne. Par chance, lui peut être obtenu par reproduction d'un Ronflex importé d'une autre version, donc en réalité personne ne se tape ce processus abscon. La quatrième génération sera la dernière à présenter ainsi des conditions absolument débiles pour rencontrer certains Pokémon, et si je veux bien admettre que ça participait à un certain charme, du point de vue du game design, on ne peut que se réjouir de la disparition de ce genre d'absurdité. Pour conclure sur la quête du Pokédex, je reste sur l'analyse que j'en avais faite d'un cristal. Même si c'est un but noble sur le papier qui met en avant plein de systèmes et mécaniques auxquels vous ne vous seriez pas intéressé autrement, la manière dont elle est implémentée en fait surtout un dispositif marketing, qui fonctionne en tapant dans vos biais cognitifs, et je pense que vous avez tout intérêt à essayer de l'ignorer, votre temps libre vous remerciera. Une partie significative du contenu post-game est dédiée aux Pokémon légendaires, qui sont toujours une grande source d'excitation dans cette série, avec le lore qui leur est associé, la mise en scène de leur affrontement, et les musiques qui leur sont propres. On l'a dit, la quatrième génération est celle qui introduit le plus de légendaires, et même si trois d'entre eux sont verrouillés derrière des événements presque impossibles à débloquer sur console aujourd'hui, les autres n'attendent que vous et vos 99 Hyper Balls. Ainsi, vous pouvez aller capturer Dialga et Palkia au Colonne Lance après avoir récupéré les orbes Perles et Diamants en haut d'une cascade au Mont Couronné. Vous pouvez aller récupérer Créelf et Créfadet au milieu de leur lac. Vous pouvez courir après Créfollet, Crécélia, Articodin, Elector et Sulfura, parce qu'on n'a évidemment jamais assez de Pokémon fuyards. Vous pouvez capturer Atran au fin fond du Mont Abrupt. Et vous pouvez aller rencontrer Régigigas au temple de Frimapic après avoir importé les trois golems légendaires de Hoenn. Toutes ces captures restent particulièrement longues et compliquées, mais ce que je veux faire remarquer pour le propos de cette vidéo, c'est que tous ces légendaires sont étonnamment faciles d'accès. Durant les deux premières générations, la convention était de les disposer au fin fond d'un donjon au level design complexe, et ça faisait d'eux une récompense et un boss au terme d'un niveau qui servait à les introduire et à les hyper. Cette convention s'est perdue au cours de la troisième génération qui optait plutôt pour des énigmes en braille à résoudre pour accéder aux golems, et à un challenge de maniement du vélo de course pour accéder à Rayquaza. Et il n'en reste plus rien dans Platine. Vous débarquez devant le Pokémon légendaire, vous passez une demi-heure à le pilonner avec vos Hyper Balls, et vous repartez ensuite faire autre chose. Les seuls légendaires à être proprement introduits par des donjons qui leur sont dédiés sont Giratina, mais c'est dans le cadre du scénario, et Eatran dans le Mont Abrupt. Et quand Eatran, qui est au Pokémon légendaire ce que la ministre des Sports est au gouvernement, est ton Pokémon légendaire le mieux contextualisé, c'est qu'il faut commencer à se poser des questions. Bon, le Pokédex c'est une chose, mais Platine a aussi pensé à ceux qui ne souffrent pas spécialement de collectionnite dans son postgame, avec déjà le retour de la zone de combat, pour ceux qui veulent faire du Pokémon pseudo-compétitif, avec des twists dans les règles des combats et un objectif à viser. Comme dans Emerald, il s'agit d'une collection de bâtiments qui disposent tous de leurs propres gimmicks, où vous devez enchaîner des séries de victoires contre des adversaires coriaces en suivant des règles empruntées à la scène compétitive. 3 Pokémon chacun, au niveau ramené à 50, pas de changement gratuit chaque fois que vous mettez quelqu'un KO, pas d'objets autres que ceux tenus par vos Pokémon, et légendaire interdit. Après un certain nombre de victoires consécutives, vous aurez l'occasion d'affronter le meneur de zone de ce bâtiment pour obtenir une photo en noir et blanc, et après encore quelques autres séries de victoires, vous le rencontrerez à nouveau pour gagner une photo en couleur. La difficulté de ces combats contre des Pokémon aussi optimisés que possible constitue toujours un bon encouragement à vous construire vous aussi une équipe compétitive, et à mettre un pied dans cet univers. Bon, là j'avoue que j'ai eu la flemme, au vu de la lenteur de la 4G et des 100 Go de capture qui s'entassaient déjà dans mon disque dur, mais par chance, il se trouve que j'ai pu transférer l'équipe que j'ai utilisée dans la vidéo sur Emerald sans grande difficulté, et m'en servir ici aussi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit possible sur des parties émulées, mais c'est en fait aussi simple que de placer les fichiers des deux jeux dans le même dossier et de dire à l'émulateur DS de placer virtuellement la version Emerald virtuelle dans le port GBA virtuel de la DS virtuelle, et vous êtes virtuellement parti. J'ai juste remplacé Pologne le Resistil par le Togekiss que j'ai utilisé durant l'aventure parce que même sans avoir fait attention à sa nature et à ses EV, les 60% de chances d'empêcher l'adversaire d'agir avec l'âme d'air et le talent Sérénité sont juste ridiculement abusés. Alors que vaut cette zone de combat par rapport à celle d'Emerald? Pour ça, examinons le fonctionnement des différents bâtiments. La tour de combat reste la Margarita de cet endroit, proposant des séries d'affrontements sans gimmick particulier. L'usine de combat reste quant à elle une excellente introduction à cette manière d'aborder les combats, en vous fournissant des Pokémon optimisés prêts à l'utilisation, et en testant principalement vos connaissances des possibilités ouvertes par chaque créature, et votre capacité à créer des synergies entre les options à votre disposition. Les trois autres bâtiments sont nouveaux, et présentent un fonctionnement plus sophistiqué.
L'arcade de combat vous fait effectuer avant chaque affrontement un passage par une roulette qui va appliquer un effet positif ou négatif à votre équipe ou à celle d'en face, qui vont d'un effet de statut à un effet météo, en passant par une baisse de niveau ou des PV, l'attribution d'une baie, ou même l'échange temporaire de votre équipe avec celle de votre adversaire. Vous avez un haut niveau de contrôle sur cet effet puisque c'est vous qui arrêtez la roulette et par défaut elle ne défile pas excessivement vite. Sur émulateur, j'ai bien galéré à viser les effets que je voulais parce que je devais cliquer sur l'écran du bas sans voir ce qui se passait sur l'écran du haut, mais le consensus sur cette mécanique est qu'il est facile d'en abuser, ce qui fait de l'arcade probablement le plus facile des 5 bâtiments. En tout cas jusqu'à ce que vous vous trompiez d'une frame et que vous vous retrouviez avec toute votre équipe gelée au milieu de votre 5ème série de victoires, j'imagine. La scène de combat vous demande d'inscrire un unique Pokémon qui va ensuite faire des matchs en 1 contre 1 contre des adversaires dont vous aurez choisi le type et qui démarrent à un niveau inférieur au vôtre. Vos adversaires seront de plus en plus forts tandis que vous progressez dans les séries de victoires, mais aussi quand vous montez d'un niveau dans un même type, en le sélectionnant plusieurs fois, ce que vous pouvez faire jusqu'à 10 fois pour chaque type. Pour rencontrer la meneuse de zone 2 fois, il faudra vaincre les 10 niveaux de chacun des 17 types, autrement dit, compléter entièrement la grille. Et c'est... extrêmement difficile ! Vous allez évidemment commencer par éliminer les faiblesses de votre challenger pour qu'elle ne vienne plus l'emmerder plus tard, mais même si vous avez vidé les 10 niveaux de type glace en priorité, il est toujours possible de tomber par exemple sur un Momartic sous une case de type spectre. Donc vous n'êtes jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre. Et même sans ça, 170 combats sans filet de sécurité, c'est extrêmement long, et les moyens que ça parte en couille sont innombrables. Une confusion ou paralysie de trop, un adversaire avec reflet, une capacité insta-kill qui passe, ou simplement un coup critique de la part de quelqu'un de plus rapide que vous. Ça en fait à mon humble avis le bâtiment le plus compliqué des 5 si votre objectif est de remporter toutes les photos cool. Enfin, le castel de combat introduit un système de monnaie interne à base de points castel que vous obtenez à l'issue de chaque affrontement et dont la quantité dépend de vos performances. Contrairement aux autres bâtiments, vos Pokémon ne sont pas soignés entre chaque combat, et c'est à vous de choisir quand vous voulez dépenser des points castel pour leur rendre de la vie ou des PP, ou leur acheter des objets, ou jeter un œil à l'équipe adverse, voire même baisser son niveau. Économiser ces points que vous accumulez facilement pendant les premières séries a quand même de l'intérêt, puisqu'ils vous permettent ensuite de sauter complètement les affrontements pour arriver d'autant plus vite au match retour contre le meneur de zone. C'est le bâtiment le moins soumis à la chance car on vous donne des outils pour anticiper, mitiger et si nécessaire sauter les difficultés, et ça fait du castel de combat, de mon point de vue, le meilleur de ces 5 bâtiments. Dans son ensemble, la zone de combat de platine repose tout autant sur le hasard et le bon vouloir des gimmicks que celle de Emerald, ce qui, vu le fonctionnement strict de son système de série de victoires, qui ne doivent pas être interrompus, n'est toujours pas quelque chose de souhaitable, et on aurait aimé voir ça amélioré en intégrant davantage de bâtiments dont le gimmick est sous votre contrôle, comme le castel. La principale différence est qu'il y a là seulement 5 bâtiments au lieu de 7, mais je trouve que c'est déjà bien assez pour offrir des heures et des heures de délicieuses frustrations à ceux qui se lancent dans cette partie du jeu. Enfin, comme dans Crystal avec son tour nostalgique mais pas très bien branlé de Kanto, le postgame de Platine inclut du contenu pour ceux qui ne s'intéressent ni à la complétion du Pokédex, ni à tous ces délires compétitifs, et veulent juste une poursuite de l'aventure et de la courbe d'expérience pour pouvoir continuer à utiliser l'équipe à laquelle ils se sont attachés. Plusieurs endroits inaccessibles auparavant s'ouvrent au moment où vous battez la ligue et contiennent des dresseurs à combattre, des objets à ramasser et une progression interne. La deuxième partie de la route victoire, vous serez accompagné par une autre dresseuse, Viviane, et son arcanin, menant à la route 24 au bout de laquelle vous pouvez lancer l'événement de Shaymin. La grotte retour qui vous permet de retourner dans le monde de distorsion, et puis toute la zone de combat, ces 6 routes qui sont parmi les plus ambitieuses du jeu niveau level design et esthétique, ces 3 villes et le mont abrupt qui est le donjon le plus grand et le plus complexe du jeu. Un scénario léger est associé à ce dernier qui conclut l'arc des deux personnages introduits en platine, l'agent des forces de police internationale Belladonis et l'admin Pluton de la Team Galaxy. De nombreuses possibilités de rematch sont également offertes contre les dresseurs les plus importants du jeu. Contre votre rival, une fois par semaine le week-end, il gagnera progressivement en puissance tandis que vous battez à nouveau la ligue plusieurs fois jusqu'à avoir une équipe autour du niveau 85. Contre les champions d'arène et les dresseurs qui vous ont accompagnés dans les donjons, que vous pouvez tous rencontrer au café de combat de la zone de survie à raison de 4 par jour, et qui ont des équipes entre les niveaux 60 et 65 particulièrement optimisées. Et contre le conseiller des 4, qui gagnera une quinzaine de niveaux lorsque vous aurez terminé le mini-scénario du mont abrupt. Dans l'ensemble, il y a là de quoi vous occuper un moment, avec certains des combats les plus intéressants du jeu. Pour conclure cette partie, Platine a donc de loin le postgame le plus fourni de la série jusqu'ici, et j'irais jusqu'à dire que c'est l'une des versions de Pokémon les plus complètes. Entre la quête du Pokédex, la poursuite du scénario et de la courbe d'expérience, les nouvelles zones à explorer et la zone de combat, il y a sans plaisanter de quoi vous occuper de manière pertinente pendant des centaines d'heures si vous voulez toujours plus de Pokémon dans votre Pokémon. Et ceci alors même que l'aventure principale était déjà particulièrement longue, satisfaisante et bien foutue. C'est la très grosse cerise sur le gâteau d'un jeu qui n'en avait même pas besoin pour briller, et qui fait de lui un modèle au sein de sa série et de son genre. Avec tout ce qu'on vient de dire, ça ne devrait surprendre personne que 13 ans plus tard, Platine soit toujours considéré comme un des sommets de la série Pokémon.
Une région aux thématiques et à l'esthétique originale et intéressante, un équilibrage de tous les aspects RPG de Pokémon aux petits oignons, une formule générale qui a atteint sa forme finale qui ne cherche plus que le perfectionnement technique, des graphismes et musiques plus ambitieux que jamais, et un postgame extrêmement conséquent. Il n'y a bien que la lenteur générale de l'expérience de jeu, le scénario bullshit, l'écriture un peu niaise, les premières heures trop peu ambitieuses et trop gavées de tutoriels, qui font encore tâche sur ce tableau, mais je considère que ce sont des défauts relativement mineurs. Platine est un plaisir à jouer de bout en bout, et les 55 heures qu'indiquait mon fichier de sauvegarde en fin de partie sont passées toutes seules. Au-delà de ça, cette version Platine légitimise à elle seule le modèle économique de la troisième version, pour ceux qui n'étaient pas déjà convaincus par Emerald. Certes, cela consiste à proposer à la vente le même jeu que les versions de base pour le même prix, malgré des modifications qui restent marginales, mais c'est surtout l'occasion pour Game Freak d'échapper à la malédiction des cycles de développement courts imposés par la machine marketing de l'animé, du jeu de cartes, etc., en s'accordant plusieurs mois, si ce n'est années de plus, pour améliorer la stabilité technique de leur jeu, peaufiner leur équilibrage, enrichir le scénario et inclure autant de contenu annexe que possible pour en faire un produit final extrêmement généreux. Bon nombre des louanges que j'ai chantées dans cet épisode ne pouvaient pas être adressées à Perle et Diamant, qui étaient des jeux beaucoup plus critiquables, et du point de vue de la postérité, je suis très content que cette troisième version existe. Il est donc d'autant plus regrettable que la quatrième génération soit la dernière durant laquelle Nintendo ait daigné proposer ainsi une version complémentaire. Noir et Blanc ont eu à la place des suites, dont l'esprit restait assez proche de ce qui se faisait avec la troisième version, mais ensuite X et Y n'ont rien eu du tout, Soleil et Lune ont eu des versions alternatives moins réussies sur beaucoup d'aspects, et Épée et Bouclier ont eu des DLC, qui ajoutaient un paquet de trucs, sans améliorer et réviser ce qui aurait mérité de l'être. Au vu des efforts qui sont faits dans les remakes de la troisième génération pour ignorer Emerald, et dans ceux de Perle et Diamant pour ignorer les très nombreux ajouts de Platine, on est tenté de croire aujourd'hui que Nintendo aimerait qu'on oublie le modèle économique des troisièmes versions. Je vous encourage au contraire à garder ce souvenir bien vivace, et avec lui, l'exigence de jeux Pokémon qui vont au-delà des attentes de leur public, et visent l'excellence, et qui, ce faisant, méritent toute notre appréciation et notre respect. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu. N'hésitez pas à faire des retours ou des corrections dans l'espace commentaire, la série Pokémon a beaucoup de systèmes complexes, et malgré toute mon expérience de celle-ci et mes recherches, il est toujours possible que je me gourre quelque part. Si c'est le cas, j'épinglerai comme d'habitude un erratum. L'exploration de la série Pokémon continuera un jour prochain avec les versions noires et blanches, mais d'ici là, je vous dis à la prochaine fois, et n'oubliez pas le starter feu, qui est évidemment le meilleur des trois à Sinnoh.